Je t'allume dans mon quartier, je m'en bats les couilles, j'ai aucune limite. Tu voles dans ma gamelle et tu crois que tu vas tourner ton clip. Tu veux calmer la guerre de trois cadavres et là on est quitte. Guitariser mon frère, va pas falloir ouais que tu répliques. Va pas falloir ouais que tu répliques. Va pas falloir ouais que tu répliques. Ah ouais, bien. Ouais. Wow. Ouais. Bien ou quoi? Bien. Mets-toi. Ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu... C'était comment, première journée là? Ça va, hein, léger. Tu t'es réveillé tard, non? Non, même pas. Plutôt que d'habitude. Moi, je suis pas en mode... Je m'éprouve, t'as capté? Ouais, j'ai capté. Mais c'est à quelle heure, vous 20h30. Ça va. C'est par contre, 19h. Ça va. Par contre, t'as vu là, il se passe quoi, nos deux pays là? Non, même pas. D'accord. Ça raconte quoi là-bas? Ils parlent pas de ça? En mode Askip, ça part en couille. Non, même pas. T'as vu, il y avait la CAN Handball qui était préparée. 2022. Si personne te regarde, t'es comme le Handball. Ouais, même attends deux secondes. Les gars, moment culture, les gars. Je vous cultivez. Vous me faites les nationales, les Algériens, les Marocains du coin. Vous êtes même pas au courant que là, ça va péter. Là. Inch'Allah que non, mais bon. Eh, en gros, t'as vu, il y a la CAN. La CAN ouais. 2022, elle devait être chez vous. 2024, chez nous. Ils ont annulé les deux. Et la raison, c'est en mode. Parce que. Comment ça s'appelle? Genre en mode conflit, là. Ça part en couille. Simer Geek pour le deuxième mois, merci mon frère. Oh, bah. Et là en mode l'Espagne, ils ont changé leur avis sur le. Comment ça s'appelle là votre désert là? Polisario là? Ouais, ça aura plus. Et je crois qu'ils vous soutiennent. Ah, logiquement, je crois que c'est ça. Et du coup, hop, les autres, en mode nous, ils leur ont augmenté le prix du gaz. Oh. Wow. Et en gros, ils ont fermé tout le truc à vous. Vous êtes en mode de crise économique là. Et vous avez demandé une aide économique. Non, tranquille, moi je suis bien. Non, mais je parle de tout gouvernement. je sais. Et en mode, ils ont demandé aux States, en mode d'une aide économique, parce que c'est la merde. Non, et après, là, il y a des en mode. Genre, ça annonce. Genre, il y a des annonces bizarres. En gros, ouais. Genre, mon gouvernement à moi, ils annoncent en mode, ouais, aujourd'hui, on a eu 2 tonnes de drogue à la frontière. Tu vois, des trucs comme as. Ça se voit, c'est pour dire au peuple, ouais, regardez, c'est les méchants. Non, je capte. Et ils ont raison, le mec se fait grave influencer. Pourquoi y'a personne là? Ils sont là, ils sont partis changer et tout, ils sont là. Après tu peux faire bien, toujours je peux faire mieux, mais vas-y. Bref. C'est quoi, c'était le début non? Oh, David. Merci des conseils. Ouais. Bien quoi les gars? Ouais, là, mon gars. Yo, David, faut vendre le streeter en fait, j'ai oublié de te dire. Ah, vous roulez en striker, vous voulez que je vous baise ou quoi, les gars? Pourquoi tu veux nous baiser, frère? Parce que on roule pas en striker, c'est maudit. Non, je roule en striker. Ok, toi, tu arbitres reprive de soirée, toi. Pourquoi? Il a dit le Novak. Il nous a jamais parlé de striker. Même le striker. Ah non, même striker. Ah non? Bah, moi, on a vu qu'il n'y a que Novak. Ce que vous avez dit, c'était Novak, gros. Striker, je crois, il y a même les 18 qui l'ont repris. Ou les roues, un des deux. Je l'ai vu hier, il est en rouge. Tu es bien là, les gars? Petit flow, bien ou pas? Incroyable, frère, incroyable. L'or, mon ref, l'or. Ouais, vas-y, gars, s'il vous plaît, arrêtez de faire les bots parler. Je vous en supplie. Frère, je suis éteint depuis hier, j'ai pas dormi. Laisse-moi tranquille. Je suis bronze. Pourquoi tu dors pas? C'est bizarre, pas dormir. Parce que je t'ai décalé, frère. David, il y a moins que tu m'envoies le numéro de l'autre là qui s'occupe des. La vente de drogue, je sais pas quoi là, avec ton père. Qui ça? Je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est Taïfi qui a le numéro. Ouais, mais je sais plus c'est quoi le blaze. Ah, Baki? Ouais, Baki. Là ou quoi? Non, j'ai pas. Ah vas-y, bah faut voir avec directement ton père s'il peut nous envoyer le numéro parce que Taïfi peut pas être là.
Il faut le faire, on a grave avant. 4 jours qu'on doit faire le truc. Bah si, justement, mais il me retarde de ouf. Et du coup, pour hier, il y a eu quoi, David? Explique-nous un peu ce qu'ils vont nous donner pour la merde qu'ils ont fait. En gros, regarde. Ah ouais, faut que je vous explique, putain, c'est long. En gros, tu vois, on pète le mec. Sauf que vous arrivez sur place, on se fait cramer. Bref, voilà, ça part en course poursuite, tout ça. On va dans un endroit, il n'y avait personne, ils nous recrament. Tu vois? Et ouais. Ça part en négociation avec les keufs. Et là, tu connais le daron, il a fait un plan catastrophique. En mode... il voulait qu'en gros, les 18, ils braquent de l'autre côté. Et nous, pendant qu'ils braquent, on saute avec le mec dans l'eau, on prend un bâton, on se barre. Sauf que le mec, il a juste pas sauté dans l'eau, tout simplement. Et voilà, donc il connaît la tête de Jason, de son frère. Et du coup, il va se faire... Et voilà, c'est la merde pour eux. Mais ils l'ont pas tué. C'est un débutant. Il nous fait le Don Pablo des docks. Il arrive pas à avoir un mec. Non, c'est qu'il l'avait, mais en gros, je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais. Par contre, la casquette bleue... Non. En noir, si tu veux, mais pas en bleu. Ah ouais? Ouais. En tout cas, vous avez parlé pendant une heure et ils ont eu le temps de vous retrouver, les flics? Ouais, mais en fait, on a mis trop de temps à chercher des... Et du coup, c'est à cause de qui nous ont retrouvé la première fois? C'est à cause de nous? Je sais pas. Je crois impossible. Que c'est à cause d'eux. Je crois que c'est à cause d'eux. Non, la première, c'est à cause de 100%. Okay. Okay. C'est à cause du mec qui arrive en retard, là. Parce que moi, je t'ai dit, moi, je suis arrivé sur la pause avec truc. Gros, l'hélico, il était en face. Bah, t'as vu là où il nous a vu comment il s'appelle, là, le keuf, là? La dernière fois, avec les J36, AK, tout ça. Et bah, l'hélico, il était posé devant à vous attendre. Genre, comme s'il avait vu un mec. Que, ah, ça veut dire qu'il était là depuis. Hier, cette pause a été redove. Ah ouais, ça, il faut plus la faire. Au VFRL, et je sais pas qui d'autre. Et on s'est garé gravement. Ouais. On a pris des précautions de fils de pute, on a fait le contour, bref. Vas-y. Mmh. Et quand on arrive, on a trouvé un gars, il est arrivé direct. Et vas-y, c'est sa voiture lui, c'est lui. Non. Je sais pas comment il est arrivé, mais en tout cas, il avait un casque de moto et il avait un sac noir. Casque de moto noir, ARA et un sac. Ouais, il avait l'air grave paniqué un peu. On a fait la même, justement, nous aussi, Bigger. Nous, carrément, on a fait quoi? On est arrivé, on s'est garé sur le parking, genre en face du. De l'ancien bar des mecs là, du Chimera. Après, on a fait semblant de rentrer dans le magasin. Les filles qui sont venues nous braquer à nous au début, ils pensaient que c'était nous carrément. Après, ils nous ont lâchés. Ils sont venus sur toi, David. Ouais. Parti en couille hier, vraiment, c'était pas parti en couille. Il y a un flic qui l'a allumé chez nous. Je sais pas pourquoi. Oh, les plus beaux, ils sont là, les gars. Je suis dans le thème. Vraiment pas l'île des villes, sérieux. T'es qui toi, t'es qui? Je t'ai dit, c'est celui qui a dit ça. Je vais le mitrailler, celui qui a dit ça. Oh là là, je vais le mitrailler. Parce qu'ils m'ont poussé dans l'eau, ces bâtards. Je la guide. Toi, si on peut te guider au magasin de vêtements, on va. Ils m'ont poussé dans l'eau. Il m'a frappé cette île des villes, Les policiers, t'es converti. Les forces de l'ordre, vous aimez bien. Douri. Après, il s'est converti, les gars, votre mec, votre pote là. C'est là, Douri, c'est lui. Il va savoir pourquoi tu m'as fait depuis tout à l'heure sans autorisation. Wow! Arrête de gueuler. C'est bon. Arou, viens. Suis ma voix, suis. Suis. Tu expliques. Vas-y, tout droit là. Non. Ouais, tout droit. Suis-moi. Vas-y, à plus tard. Putain. C'est qui lui là? Tu viens voir? T'es un bonhomme ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu fasses pour moi? Ouais. Pour moi, il a plus d'inspi, copie. Genre, si t'as envie un truc ou quoi? Je fais ce que tu veux. T'as vu la meuf au bar? Ouais. Tu m'en crier. Tu vas pour la galoche et tu fais le bruit de la galoche. En mode. Tu dis, je te prends par les cheveux, je t'embrasse. Allez, nique ta mère. Pourquoi? Attends, mais viens, on parle à Harou. Attends. Là, je crois qu'on est pas encore en courant. Dégage de la soirée. Pendant les témoins, tu. Tu sais qu'on t'a entendu? Ah! Bah, ça, ils ont juré. Avec ma mère, pourquoi t'as fait j'ai ça? Deux mots. J'ai un cousin, j'ai pu verser de l'eau dessus. Ouais, Harou! Vas-y, non, sérieusement, viens, mais pourquoi t'es parti dans l'eau? Là, ici, là. Là. Tout droit. Va te faire enculer, ça y est! Le mec abuse de son background. Arrête, fils de. Oh, ok, lourd. Ouais. Lourd. Oh là là. Tu sais que je l'ai refait. Et puis on fait que de lui faire. Nah,
Oh là là, mais t'es dans l'abus. La vie de ma mère, t'es dans l'abus. T'es tombé. Mais t'es tombé, fils de pute. Mais c'est tranquille, il est fou, quoi. Eh, mais c'est quoi, t'as entendu la dinguerie ou pas? Sweet K, elle achète en gros de la merde, je sais pas quoi. J'étais au courant, ça va. Eh, pourquoi t'abuses? Pourquoi t'abuses? Mais c'est toi, t'as. Ouais. Je te jure sur la vie. Oh là là. Merde que. Aïe. Bon, t'abuses, toi, j'ai te piétiné. T'abuses vraiment du bail. Vas-y, viens, ça viens. Trois viens. Fois de suite qu'on me fait tomber dans le. Vas-y, c'est bon, vas-y, sérieux, sérieux, vas-y, viens. Tout droit, 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 tout droit. Mais encore tout droit, je suis pas là. Encore. T'es où alors? Encore. Là, à ta droite. Putain, mais Harou, fais un effort, voilà. Venons, je fais à l'infini. Une boucle infernale. Qui t'a dit d'être aveugle, toi aussi, là? Mais attends, comment mais ça... Il est fou, lui. Il me dit, pourquoi t'as fait ça? En mode, j'ai fait exprès de me verser de l'eau dessus. Ta mère. Non, mais je voulais te faire culpabiliser, comme si t'as fait un truc de ouf. Parce qu'en fait, dès que je t'ai entendu faire ça, je me suis barré. Au cas où. Ah, ok. Je suis pas un fils de pute, t'as vu? Toi, tu serais resté. Allez, nique ta mère. Et bref, vas-y. Et comment vous savez ça? Vous me le dites pas? Je comprends pas. Quoi, t'es notre daronne, fils de pute, on a tout dit. Ta mère. Parce qu'en fait, je voulais pas que ça leak, t'as vu? Je voulais bien enquêter dessus. Qu'est-ce que tu as te dire là? Il fait partie du label aussi. Mais non, Harou, c'est bon, viens, viens, Harou, viens, viens. On va te faire enculer, viens, 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 là, tout droit, vas-y, viens. Je suis terroriste, apparemment. C'est bon, là, la fille de ma mère, regarde. Y'a rien, regarde. Là, là. C'est quoi ces musiques? C'est pas normal. Bah oui, donc ça veut dire qu'il a. Salam alaikum. Dis quoi, tonton? Dis-moi bonjour, dis-moi bonjour, dis-moi bonjour. Attends, je suis dans les affaires, toi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi bonjour, dis-moi. Ça va, salam alaikum, gros voile autour de la bouche. Non, mais plus quoi encore? On est où là? Oh, attends, j'ai crassé dans mon truc. Bah oui. Attends, merde. Attends, bref. Je te rappelle, non, je te rappelle. Parle. Je dois parler, moi aussi, avec la même. Vas-y, bah non, non, attends, je dois parler avec la voix. Il faut l'enquêter, hein. Tout droit, on est là, tout droit, tout droit. Oui, bah là, il va falloir. Demain, je veux une enquête sur le bonhomme. Il parle trop fort, Zabi. Non, on fait pas le genre de cas de non, c'est juste qu'il parle grave fort. Juste s'éloigne. Bref. Du coup, pourquoi tu... Hey, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit non, je veux plus finalement que vous bougiez pour moi. Tu peux expliquer? J'ai peur de me faire péter. Tu crois on est qui, nous? Non mais attends, explique l'histoire. Je vais me faire soulever. Hier, j'ai rien écouté. Bah, vous savez, hier, je me suis fait soulever. En fait, Zoé, elle avait donné le go sur moi, je m'étais fait attraper pour qu'il nique la... Enfin, pour qu'il canne Bébéto. Sauf que ça avait foiré. Et Bébéto il avait réussi à me récupérer et ça avait foiré. Après on a arrêté de parler avec Bébéto, voilà c'était fini. Sauf que ce qui s'est passé c'est que hier il y avait Zoé devant l'Underground et je savais qu'il cherchait à la soulever. Du coup je lui ai dit bah il y a Zoé devant l'Underground, elle s'est fait péter. 5 minutes plus tard moi je me fais péter et tout machin. Et du coup ils ont commencé à me casser la mâchoire, ils m'ont pété les phalanges etc et tout machin. Ils m'ont dit bah si Zoé elle meurt ce soir, bah tu meurs aussi. Et du coup, ils ont appelé Bébéto et tout machin. Bébéto, il a dit je m'en bats les couilles d'elle, tu es là, vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Du coup, moi, j'étais en mode, ah, gars, ouais. Et donc, du coup, ben, au final, après une demi-heure, ils m'ont relâché, après m'avoir niqué ma mère, et puis voilà, quoi. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Zoé s'est fait crever l'œil. Et moi, ils m'ont pas fait autant de dégâts, on va dire, tu vois. Donc hier, moi, je voulais que vous alliez les soulever parce que ben, ils m'ont niqué ma mère gratuitement, tu vois. Mais le truc, c'est que j'ai peur qu'après, ça reparte en répercussion sur moi et que je meure pour de vrai, quoi. Donc, hein, c'est mignon. Une petite peureuse. Comment ça, c'est mignon? Peureuse de quoi? Je suis handicapée, je te jure, t'inquiète pas, je retrouve la vue, on va voir ce qui va se passer. Mais tu vas rien faire du tout. Hey, t'as vu, on te l'a dit mille fois que si t'habites à H-Block, t'as la sécurité. Donc c'est la sécurité, c'est comme ça. C'est... Alors pourquoi hier tu m'as dit que t'allais faire une minute de silence en mon hommage? Mais c'est une blague ça. Mais on va bouger, il y aura rien. T'as capté? Moi, t'as vu, j'ai peur des conséquences. J'ai en peur parlant que derrière, du loup, allô gosse. Ouais, en parlant du loup. Ouais, on doit se voir. Oh, t'inquiète, c'est rien. Qu'est-ce que t'as? Tu veux quoi? Je suis avec. Ah, c'est important, on choisit un endroit là, on se voit. Tu veux ramener tes gars, on ramène nos gars ou on fait ça contre tête? Tu choisis? Oh, on fait ça entre têtes. On fait ça avec qui? Ah, tout le monde ou que les têtes? T'as dit quoi? Ça y est, viens ici, on...
Vas-y, y a du monde, tu vas pas là, y a des ennemis. Bon, on se capte. Vas-y, je vais trouver un endroit, on vient à 4. Vas-y, Clara, à tout. Je vais. Pourquoi y a des grenades, je vais tout baiser. Chirp. Bref, regarde, on va le voir. Tu te mets dans le coffre. Ouais, voilà, elle se met dans le coffre. Et vas-y, tu verras. Ça vous dérange pas? Moi, ça me va, hein. Si, ça me dérange. Vas-y, viens pas. Mais comment ils t'ont libéré hier? Elle est conne ou quoi, elle? Ils ont rendu Zoé de l'autre côté et puis moi ils m'ont rendu aussi. Sauf que juste avant, ils ont vu que. De loin, ils ont vu qu'elle était en sang. Du coup, moi, ils m'ont éclaté la gueule. Et quand ils se sont rapprochés, ils ont vu qu'elle s'était fait crever l'œil. Donc là, toi, tu veux te venger ou pas? Bah. Clairement, ouais, j'ai le démon. Maintenant, t'as vu, j'ai pas envie de me venger pour que ça reparte, pour que je me fasse tuer à la fin. Si tu te venges, bien sûr, ça va repartir à un moment donné. Ouais, sauf que là, ils auront affaire à nous, t'as capté. Voilà. Je sais pas, vous auriez fait quoi à ma place? Je laisse tomber? J'aurais baisé sa mère. Bah après, non, j'ai un minimum de dignité, j'ai pas laissé tomber, je suis pas une. Moi, je l'aurais niqué ou demandé des excuses. Si j'ai peur, je veux vraiment pas prendre de risques, je demande des excuses. Et t'auras tes excuses parce que. Au pire, regarde, elle est là, Zoé ou pas? Je sais pas. Mais bah, Zoé, c'est cas, qui? C'est une meuf. C'est... Elle Zoé, c'est une. Elle habite chez vous? Non, elle fait partie des vous. Ah ouais? Ouais, bien sûr que oui. Elle sort avec un mec là-bas qui s'appelle Two Guns. Ah. Vous saviez pas? Bah, c'est un mec des ou? Oh, moi, t'es sûr qu'elle fait partie? Mais bien sûr que oui, mais t'as vu, vous me posez jamais les questions, mais moi j'en sais des choses. Ah ouais? Mais en fait, le but c'est que tu nous dises des choses, Aro, mais tu nous dis. Mais contre quoi? On m'a proposé une minute de silence hier pour me te faire casser la gueule. Moi, si vous me demandez pas, je vais pas arriver, je vais pas dire Devil, j'ai des secrets à te dire. On est où là? Moi, je m'en fous, je garde et. Pourquoi pas? On est best friend. Best friend, qu'est-ce que tu me bats? Elle a oublié la première conversation qu'on a eue avec elle. Ouais, bah écoute, maintenant ça a avancé, donc moi je suis prête à faire des pas s'il y a des pas aussi de votre côté. Hein. Déjà là, on bouge pour toi. Bougez pour moi et les infos, je peux les avoir pour vous. Hein. Vas-y, bah j'ai des infos pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin sur les où? Ouais, moi, je sais beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ouais, superstar. Superstar, vas-y, on arrive. Carré. Vas-y. Superstar, ça, c'est le truc à Zoé. Elle a raison, ça tient la route ce qu'elle raconte la gamine. Sa piste mais qui est parle. Ouais, je suis d'accord. Juste, là je dois dire les gars, bonjour à ma petite fameuse. Enfin, mais. C'est qui? Je sais pas, ça dépend lesquelles elles sont là. On va voir. Ok, et c'est parti. Ah bon? J'ai fait exprès, je sais qu'elle va parler. Elle est où, ici? Je sais pas. Justement, je crois qu'elle a une galère. Bref, vas-y, venez, on y va. Je vais dire elle est là, c'était Layla là-bas. Je compte sur... Tu sais que Missy, elle va vraiment mourir, c'est pas des conneries, donc fais vraiment attention et. Ah, vas-y, on s'en bat les couilles d'elle. Non, on s'en bat les couilles de toi, tu vas voir, toi, ouais. Je vais te saboter auprès de tes meufs, tu vas voir. Mais je m'en fous. Tu connais ma copine ou je te sabote? Moi, je suis déjà saboté, tu vois, pas tout le monde veut me faire alors que je fais rien. En même temps, si la vie de ma mère, je fais. C'est pas pour rien. Mais la vie de ma mère, c'est pour rien. C'est parce qu'en fait. Et pourtant, crois-moi que. Regarde, je t'explique. On essaie de sauver ton fiac un peu, genre auprès des meufs, hein. Parce que tu fais mal au cœur un peu. Mais je fais quoi? J'ai fait quoi? Ah, objectivement. Est-ce que. Bref, vas-y, on s'en bat les couilles, venons se voir. Bref. Ouais. Eh, c'était Layla la blonde ou pas? C'est Layla Harou là-bas? De quoi? Là-bas là. Oh, je suis aveugle, t'es bête ou quoi? Ah ouais, la vie de ma grand. Il aimerait parler avec vous histoire de boire un peu d'hiver. Il se met dans son nuit comme vous. T'es qui toi? Bonsoir madame. Je suis qui moi? Je suis ZK. Je t'emmerde. Toujours les mêmes. C'est elle ou pas les gars? Faut pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe. Ouais, vas-y. T'as ce là. Ouh les copines, ça va? Yo, salut des. Ça va toi? Bien Kara, bien Layla, bien Sweetkay. Toi Sweetkay, je vais. Toi tu vas voir toi. Quoi? Non, on va discuter. J'ai appris un truc, je suis choqué. T'as appris quoi? Ah, je sais pas, une dinguerie un peu. Bah, parle. Un truc qui me met hors du commun. Si, la vie de ma mère. Hors du commun? Non, ça veut rien dire. Hors de mon état. Par contre, t'es choqué, pourquoi elle est là, la mienne, en mode ange? En mode c'est une ange. Bah, parce que c'est un ange. Je joue le. Et Kara, t'es un démon? Ouais. Et toi, Sweetkay, t'es un ange? Oui. Allez, Arf, t'es quoi? Ça dit quoi les meufs? Ça dit quoi les gonzesses? Vous avez mélangé les rôles. Salut. T'as dit quoi les minettes là?
tout cas, fais-moi la bise. Non, mais on va parler suite Kay, hein, je suis sérieux. Non, pas la bise. Bah, viens, on va parler. Non, non, mais là, j'ai un petit truc à faire et vas-y. Salut Chino, ça va quoi? Vas-y. Ça va quoi? Et t'as vu, Léla, tu me dis pas bonjour, moi, quand. Je t'ai dit bonjour, putain. T'as dit quoi, mon petit démon? Rien, tu m'as dit? Pourquoi je lui dis pas bonjour, Léla? C'est vrai, non, elle a pas dit ma mère, je me réveille, j'ai aucun message. Mais c'est. J'ai dit, mais. Parce que c'est normal, je suis venu, j'ai dit. Ok. Donc, putain, les gars, elle va être dure. Attends, tu viens deux secondes, ils s'il te plaît. J'ai dit bonjour, aussi, c'est pas. L'instant, okay, okay. Bref, nous, on va faire un petit truc, on revient. Non, je veux dire, au bout de c'est un peu tendu. Tout se pique, sa fils de pute. Assume-le, assume-le. J'suis pas grossophobe. Tu m'as mis un coup d'épaule, toi, fils de pute. Ouais, c'est ça, je t'ai mis un coup d'épaule. Tu m'as mis un coup d'épaule, toi. Oui, exactement. T'es qui, toi? Zion. Zion, quoi? Zion. Non, je t'entends pas. Rien à voir, c'est juste moi. Ah, viens, viens. Qui est pas ça? Viens, viens, viens. Pourquoi tu mets un coup d'épaule, toi? Parce que j'avais envie. Oh, ouais, ouais. T'as envie? Oui. Wesh. Yo, yo, yo. Ouais. Ouais, salope, on prend un 2. Non, mais il faut. Aïe, il est tombé. J'ai gagné, il est tombé. Ah là, on les sort. C'est grave. Aïe. Vas-y, bref, allô, là, tu vois. Elle est là. Écoute, là, il veut pas te voir, l'autre. Est-ce que rentrer bien sûr, rentrer bien. Hein? Reste comme ça, David, reste comme ça. Attends de rentrer. Non, non, ferme-la, il est où, là? Non. Eh ben, vas-y, c'est quoi? Ah, mais elle est où, Haru? Non, tu veux pas l'appeler? Même fille, trop long. Va la chercher. Air Max, merci, mon frère. Ouais, son histoire, je m'en pétarde un peu, mais vas-y, bref. Wow, il a l'inquilé. Allo? Ouais, appelle Skin, tout ça pour qu'il vienne te chercher, on est déjà 4, nous. C'est qui, César? Non, et c'est Oscar, pas César. Je sais pas. Wow. Allez, ma gueule. Wow. Elle commence à me casser les couilles, moi, cet aveugle. Hein. Oui, ça va, toi, Yumi? Ça va, ça va. J'arrive, j'ai un non, café, je dis, je te bloque ou pas? Vas-y. Vas-y. Bah alors, ouais, c'est là, c'est là, vas-y. Votre meilleur démon le est corps, dans la coffre. Le coffre, va dans le coffre, va dans le coffre. Le coffre. Vous voyez le coffre, les gars, portez là, mettez là-dedans. Quoi, là? Les gars, vous allez pas mettre une aveugle dans le coffre, quand même, les gars. Minimum de respect, putain. On a un mode rendez-vous, après on va aller... Y'a pas de coffre, les gars. Fuck Yumi, allez hop. Y'a plus de free Yumi. Y'a pas de coffre. Y'a pas de coffre. Y'a pas de coffre. Y'a pas de coffre. Y'a pas, wesh. Y'a pas de coffre. Bah si. Ah ouais, de quoi, toi? Ah ouais. J'ai mis quoi, cette dégaine là? Mais t'as pas. Eh ben, Memphis, tu vas baiser ta mère, restez ici. Allez, monte. Voilà, là, Memphis. Allez. Salut. T'as voulu avoir ta grande boca? Allez, nique ta grand-mère et mange le sable. Vas-y, viens. Allez. Ça n'a pas de. Va manger du sable, bâtard. Vas-y, monte. Y'a pas un truc bizarre pour vous là? Pas un truc qui vous dérange? Quoi? Ça va chez nous, mon frère. JB, on l'a pas vu début de soirée, mais on le voit la soirée. Ça me choque là. Eh, c'est étonnant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ouais, je t'écoute. Vas-y, roule. Non, je l'ai pas. Il a dit quoi? Je sais pas, t'as entendu? Demandez si j'avais un truc, mais j'ai pas compris, moi aussi. Ah! Aïe! Ah. Mec, en plus. Aïe. Vous avez pas des vêtements dans le coffre, vite fait, que je puisse me changer? Ouais, on a des vêtements de meuf, ouais. Vas-y. Ouf. Bah non, en fait, c'est faux, hein. Désolé, tu dois rester comme ça. Ah non, je peux y aller en... Vous savez, cette tenue dedans, j'aimerais, ça me rappelle qui, les gars? Essayez de trouver, s'il vous plaît. C'est une meuf? Oui, ouais, bah oui. Ah, moi, c'est bon, j'ai la ref. Qui? Toi, des blocs? Ouais, ça ou pas? Ouais, c'est bon. T'as vu, Haru, il y a une meuf qu'on a tuée. Elle est venue comme ça, elle est morte dans ta tenue. Parce qu'elle ne et y avait même pas de thème. Pas des bonnes infos. Parce qu'elle donnait pas des bonnes infos. Non, mais les gars, elle s'est changée déjà, je sais pas pourquoi vous vous arrêtez là. Ah ouais, mais derrière, bah et tu pourquoi tu regardais, espèce de... On m'avait dit vous avez des vêtements de meuf. On a dit non.
Si. Vas-y, bref. Ok. J'espère que t'as des couilles à Rouen, c'est pas t'arrives là-bas, tu bégayes. Hein. Mais cherche pas non plus la merde. Cherche pas non plus, commence pas à me faire la... Quelle attitude tu veux que j'aie? Dis-moi. Une attitude insolente, sûre de toi. Oui, t'as vu, mi-insolente, mi-respectueuse. Qui, tu vois, pudique, mais en même temps... aucune... comment on dit? Attends... aucune gêne. Non, c'est quoi déjà pas pudique? Serviette ski, merci mon frère. Ok. Vas-y, elle a rien compris, on arrive. Non, si. Quoi? Tu vas te dévergonder. J'ai le droit de l'ouvrir ou alors je la ferme et j'observe? Dévergondée, pudique. Non, je peux pas observer. Joyeuse, mais triste. Tu vois, tu... T'as capté. Ça y est, Molière. On dirait que je parle à Léon. Ça y est. On est là. Ça y est, Molière. Bébéto, tu lui as parlé de ça ou quoi? Bah, Bébéto, c'est lui qui avait zoé de l'autre côté. Mais non, j'ai pas dit que... En fait, Bébéto, t'as mis dans la demeure. Bref, ta gueule. Mais Bébéto, il s'en bat les couilles. Vas-y, je te rappelle. Ouais, je suis là. Tout droit. Vas-y, quand même. Voilà. Mais non, non, je suis pas appel. Quoi, à l'intérieur. Comment ça dégaine, hein? Tu me dis, moi. Vas-y, rentre, là, je tiens la porte. Une bière, s'il vous plaît. Désolé, j'ai pas d'alcool. Est-ce que ça casse ouais, mon What's up, ça dit quoi? Ouh ça va toi? Oh, dommage. What's une bière, s'il vous plaît, une rubis. Pareil, j'ai demandé une bière, ils ont pas de bière. Désolé, j'ai pas d'alcool ici. Vous avez quoi? J'ai que des boissons soft. Serre-moi un whisky là. J'ai pas d'alcool, monsieur, je dois vous le dire café, en quel nom. Du café, café. Oui, bien sûr, j'ai plein de café. Sans sucre. Bah, de l'eau, s'il vous plaît. Ok. Eh, y a moins non, que mais pas du robinet, mais pas du robinet, mais pas du robinet. Ouais, mais... Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas du robinet. S'il y a pas d'eau chez les Johnson, on m'a dit. Ouais, gosse, y a embrouille là. On était en mode de... calme entre nous, tout était bien. Chacun était de son côté. Là, y avait la cause afro, on vous a un peu soutenu, tu vois. T'as demandé notre aide, on vous a donné, on vous a tendu la main. Et là, tu nous la coupes. Mais qu'abuse grave. Raconte-moi, y a quoi? Ah, mais explique lui, parce que moi je suis choqué de ça quand même. Moi je suis toujours carrément gosse d'avant, mais. C'est quoi l'histoire? Dis-moi. Viens, on s'installe en haut, non, on prend le plateau. Je prends mon café, merci madame, merci. Ouais. Vous pouvez mettre un petit citron dedans, s'il vous plaît? Ouais, je prends ça. Je peux venir dire les termes ou c'est comment? Va, mais parle pas. Vas-y. Merci. C'est où? Là, suis-moi. Putain. Ah, tu connais, hein. Là. La fameuse, on se cale là, hein, tranquille. Hein. Vas-y, carré. Quand tu marches. Tu veux aide là, l'aveugle. Là. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? Bordel. Là. On peut fumer ici? Encore heureux, cousin. Ah ouais, cousin, on crie plus que ça, on peut pas fumer. Ouais, bah, les couilles. Vous pouvez. Bah ouais, bon, Ghost, premier consommateur de clopes là. Eh, l'embrouille. En gros, vas-y, King, vas-y. L'histoire, c'est quoi, t'as vu? Tu la reconnais, la petite en main droite, là? Ouais. Ouais, c'est une fille qui habite au quartier de ça. Quelques temps. 31e mois, merci, mon frère. Elle nous a raconté ces petites galères qu'elle a eues avec vous, tu vois. Elle m'a dit qu'elle avait une histoire avec une meuf de chez vous, une Zoé, là. C'est ça? Ouais, il y a une histoire, ouais. Ouais, voilà. T'as vu, moi, je suis venu pour régler ça, pour éviter que ça parte en couille, tout ça, t'as vu, pour canaliser la situation, éviter que ça prenne des débordements, tu vois. Donc moi, t'as vu, je suis venu savoir comment c'était passé de ton côté aussi, parce que là, on a eu que sa version. Moi, en vrai, j'ai pas de mentir. Et... Moi... Ouais. Elle a habité vite fait au Oud, tu vois. Elle a eu une histoire avec un gars de chez moi. Après, elle a été traînée avec les Haïtiens. Et vas-y, elle était proche d'une tête de chez eux, t'as capté? Le Bébéto, là. À partir de là, moi, je sais que, vas-y, il l'avait attrapé il y a un moment déjà.
Moi, j'étais pas là. T'as vu, c'était des histoires. C'était des histoires entre clics, t'as capté? L'autre, un tel va marcher avec une meuf, la meuf va marcher avec un étine. Voilà, c'est des histoires entre eux, tu vois. Moi, tu veux que je te dise de cette histoire, je m'en bats les reins. Mais quand je dis pas les reins, c'est pas les reins. C'est pas les ou qui lui ont fait quelque chose, t'as vu? C'est des personnes bien individuelles. Ils font ce qu'ils ont à faire, t'as capté? Moi, je m'en bats les couilles des histoires là. Mais hier, t'as revendiqué les ou? Ton équipe a revendiqué les ou? Pourquoi tu tiens ce discours là aujourd'hui? Vous êtes devant moi en train de m'exploser la gueule et vous m'avez dit ouais, c'est les ou, on revendique déjà, clairement. Déjà, descends d'un ton, tu vois, là, je parlais avec Arv, t'as vu? Moi, t'as vu? Ok. Ouais, descends d'un ton, je le dis directement. Parce que moi, t'as dit, j'ai envie d'attraper, te canner, je te canne. C'est même si eux, ils te protègent. Donc, commence même pas à faire l'appel avec moi. Tranquille, tranquille. Moi, je te connais pas. non, mais t'as capté. Ça veut dire que. Écoute. La petite civile, elle fait sa vie. Là, elle parle à une tête de hood. Qu'elle fasse attention parce que demain, si j'ai envie de la rafaler, je la rafale. Elle a pas mal parlé, là. Non, mais elle dit, ouais, hier, ça a revendiqué les ou, je sais pas quoi. Moi, hier, déjà, demain. Mais c'est elle qui était dessus, c'est pour ça. T'as vu, c'est moi, je lui ai demandé. Ok. Est-ce que derrière, là, il y a des mecs qui étaient là ou pas? Ouais. Ok, alors vas-y, dites-moi comment c'est passé là, il y a une revendication de vous ou pas? D'ailleurs, que Tugens a revendiqué, nous on n'a rien revendiqué comme ça, tu sais. Non mais Tugens il a revendiqué quoi, dis-moi? Il a revendiqué que c'était un ou et qu'il l'a soulevé clairement par rapport au fait qu'Elsinich, la position des ou, on a regardé son téléphone. Je donne des goûts. Elle a envoyé un message à Bebeto, elle a dit elle est où devant moi, et il y a Zoé devant moi. On a regardé le numéro, il y avait écrit Cafard 12, on lui a dit c'est qui. Et carrément elle m'a dit c'était un gars d'H-Block. Je dis okay. Ouais, on a appelé Bebeto. Eh ben, écoute, je vais te répondre directement. T'as vu les donneuses de go, tu sais comment que ça marche. Je vais pas te mentir. Ouais, mais elle, y a rien contexte en gros. Explique vas-y. Le contexte. On va expliquer. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Oui, bah explique. Ouais, vous savez très bien que c'est. Quoi, parce que t'as vu, tu parles à moi, mais moi, t'as vu. Pas, tu me laisses parler ou c'est comment? Ouais, je vais te laisser parler, mais moi, ta vie, je m'en bats les reins, tu vois. Pardon. Non, parce que depuis tout à l'heure, tu prends la confiance. Moi, je te dis, non, si je t'attrape. Elle est aveugle, elle réalise pas, elle voit pas. Elle est... En fait, là, t'as vu, Aoula, tu parles à la tête, là. T'as vu des mecs qui t'ont niqué ta mère. T'as vu, là, tu parles à la tête de chez eux. Pardon, je ça veut dire, là, parle bien, explique-lui bien l'histoire. Ouais, désolé, je voulais pas être insolente. Je me rends pas compte. Mais non, bah, ce qui s'est passé, c'est que Zoé, ma grande copine Zoé, qui fait partie des Wu, je le sais très bien parce que Mikey me l'a toujours dit que Zoé faisait plus qu'habiter ici. Elle a décidé de me tendre un piège, vous m'avez attrapé, tout ça pour attraper Bebeto. Bon, je sais pas pourquoi vous allez chercher jusqu'au meuf, mais bon, ça, c'est chacun son dos. Bref, vous m'avez relâché, et après, votre Zoé s'est fait attraper hier. Bizarrement, il y a un lien qui est établi par pur miracle, tu vois, ça vient me sauver devant l'underground. Et après, ben... Bref, vous avez fait ce que vous avez à faire, mais moi, je comprends pas pourquoi vous continuez à m'impliquer dans vos histoires. Vous venez pleurer derrière, rien compris. C'est... Attends, qui pleure déjà? Moi, je viens pour discuter, poser des choses, tu vois. Ouais, mais qui pleure? Parce que moi, en fait, t'as vu, j'ai pas pleuré, t'as vu? Y a les non, mais pourquoi ils ont vous pleuré. Assumez pas? Vous avez revendiqué hier, clairement. Donc mais tu veux là... quoi? Tu veux que je te canne? C'est quoi ton histoire à toi? Depuis tout à l'heure, tu l'as mais tu je change pas de sujet, je te dis juste ferme pourquoi ta mère, hier. Je t'ai dit là, ferme ta mère. Hier, t'as revendiqué là, bizarrement, tu parles chinois. Mais. Elle était pas là. S'il te plaît. Avec moi la base, les bêtises, je vais dire quoi. Je vais pas mentir, mais là, elle commence à faire monter la tension, je vais la canner. Regarde. Non, tranquille, s'il faut, je sors. S'il faut, je sors, il n'y a pas de galère. Mais à la fin, je vais te canner. Parle pas avec elle, parle pas avec elle. Mais attends, t'étais dans le hood, t'as vu, regarde. T'étais dans le hood, t'habitais dans le hood. Moi, t'as vu, je t'ai toujours respecté. Il n'y a jamais eu de truc bizarre. Tu manques pas de respect, mais là, tu mens. Non, mais quoi, je mens. J'étais pas là. J'étais pas là hier. J'étais pas là. Bah alors, écoute les histoires. Pourquoi tu veux pas comprendre? Tous ces mecs ont revendiqué. Alors pourquoi? Attends. Tous ces mecs ont revendiqué que c'était vous qui avez fait ça. Alors regarde, lui, Ghost, il était pas là. Ghost, il est pas là. Attends, Lévi, là. Il a du coup. Les histoires que t'as eues, je comprends que t'as fait ça pour. On sait très bien pourquoi, pour les 18, tu vois, pour les 18. Encore heureux que t'aies fait ça, je m'en bats les couilles. Et, il a dit ça. T'as bien fait de faire vous ça. Vous avez entendu? Non, à l'heure actuelle, moi, je viens pour que t'as vu, ça s'arrête. T'as vu, pour que. Il a dit, elle a une grande chatte. De quoi le rapport? J'ai rien à foutre d'elle, hein. Vraiment, je vais te le dire. Hein. Non, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis juste venu pour ça. Eh ben, regarde, Ghost, tranquille. Non, mais je te le dis au moins, il y avait un de mes gars qui était avec, t'as capté? C'est une histoire de. De Sims, mon gars, t'as capté ou pas? Je m'en bats les couilles, moi. Ok, moi, nous, t'as vu, nous, regarde, nous, on pensait que vous étiez impliqué au nom des Wu. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va pas tout, t'as vu, on va pas commencer, parce qu'elle, elle habite chez nous, t'as vu, elle est. Moi, je sais pas ce qu'il a revendiqué ici. Voilà, mais ça veut dire que là, si ça vous implique pas et tout,
Bah nous on va ah, mettre des... Personne n'a revendiqué, je viens de bah voilà, bah tranquille, bah l'histoire elle se réglera. Il y aura des mecs de chez nous ou quoi, et qui régleront ça, pas au nom des J-Blocs. Et voilà, on les laisse régler leur histoire. Comme ça, vous savez. Non, non, ils font leur histoire, t'as capté. Ouais, voilà. Non, tu vois, je vais te le dire, Haru, ça, moi je te le dis vraiment. T'as vu, moi depuis le départ, je m'en bats les reins de toi. Et s'il te plaît, commence pas à me mettre dans l'idée que je t'attrape et que je te canne. Parce que t'as vu, il y a eu pas mal d'histoires avec toi. Ça mange à tous les râteliers. Wu, 18, maintenant H-Block. T'as vu, tu fais ce que t'as à faire. Mange à tous les râteliers. Fais le billard. Je m'en bats les reins. Ah, en tout cas, vas-y. Manque pas de respect, par contre. Manque pas de respect, par contre. Nique ta mère. Je te baisse ta mère. Voilà, comme t'es sûr? T'es sûr de toi? De quoi tu baisses ta mère? Baisse ta mère. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Baisse-toi. Comment ça, baisse ta mère? Comment ça, baisse ta mère? Oui, toi, baisse ta mère. T'as mal à toi d'être comme ça. Toi, tu fais la folle. Comment ça, baisse ta mère? T'as mal à toi. Attendez. C'est quoi? T'es logique du pire quartier. Tu viens pleurer avec moi. Hey, toi, c'est quoi? Regarde, maintenant, je vais te le dire officiellement, Devil. Regarde, c'est quoi? Je vais la canner. Comme ça, moi, tu le sais. Vas-y, non, mais tu la cannes, ça part en couille. Hein. Parce que là, ça part en couille. Mais attends, Haru, arrête de parler là. Je vais te canner. Bref, attends. Fais gosse, c'est bon, calme-toi. Calme-toi, tranquille. Là, c'est toi qui t'énerve, qui l'a traité tout. Non, mais parce que. Mais c'est toi qui lance. Tu vois bien comment elle est insolente. Non, elle a un petit air insolent, mais c'était au début. Non, mais arrête. À chaque fois qu'elle ouvre sa bouche là, t'insultes ma mère, etc. T'es mal. Mais bien sûr, je te la réinsulte. Mais ton quartier de merde, vous perdez toutes les guerres. Après, tu viens pleurer ici en mode. Non, Excusez-moi. Voilà, maintenant ça va partir en guerre. Y'a pas de problème, vas-y, go, on se barre. Et là, t'as démarré un sale truc là, hein, gosse. Ouais, on va démarrer un sale truc, Harvey, y'a pas de problème. Oh lolo, il est con. Vas-y, on l'amène à l'hôpital. Mais il est con, mais elle est conne aussi, cousin. Hey. Ouais, mais c'est lui, cousin. Il l'a trop traité aussi. Porte-la, TQ. TQ, porte-la. Ouais, vas-y, je la prends. En fait, Perp, il aurait pas dû dire. Il aurait pas dû la défendre. Je pense que c'est peur qu'il a mis le doute un peu là. Il aurait pas dû dire ouais, arrête de parler à la meuf. Les gars, c'est chaud. Ouais, mais. Je peux plus. Putain. C'est quoi l'histoire là? C'est quoi cette caisse de merde là? Il a abusé des insultes, wesh. La vie de ma mère, elle a aucun truc en tort, hein. Elle a rien fait en RP, wesh. Ah, mais tu sais que là. Elle a rien fait, hein. C'est lui l'a abusé de fils de pute, hein. Non. La vie m'a été. J'étais fou, quoi. T'as vu comment il a traité? Il a abusé. Il a dit, elle a une grosse chatte. Il a dit, nique ta mère, ferme ta mère. Là, arrête d'abuser. Normal, elle craque un moment. Toi, t'aurais craqué. La vie de ma mère, normal. La tête de ma mère, normal. L'histoire, elle était finie. La vie de ma mère, je lui ai parlé. L'histoire, elle était finie. Il lui a expliqué juste. Mais la vie de ma mère, c'est lui. Sur mes côtes, arrête d'inventer des rumeurs sur moi, t'as vu. C'est tout, cousin. Ouais, mais il a trop traité. Après, il a abusé. Il abuse à tirer. Mais il a abusé à traiter. C'est normal que cousin, à un moment, elle parle. Toi, le premier, t'aurais parlé. La vie de ma mère. Mais t'as vu la vie de ma mère. Écoute bien, la tête de ma mère. On aurait une meuf comme ça. On sera à sa place. Il y aurait moi ou TQ. Il aurait parlé comme il a parlé. Genre comme le même contexte. T'aurais pété un cap. T'aurais gagné TQ. La vie de ma mère. Mais t'as vu, je serais à la place de Ghost, la vie de ma mère, j'aurais fait la même chose. Oui, mais Ghost, on le connaît, c'est un menteur, c'est une salope, cousin. C'est ça, tu crois que je le crois, là? Vas-y. On le connaît. Bah, la vie de ma mère, il a abusé des insultes. Normal, elle pète un câble. N'importe qui aurait pété un câble. Au début, elle a abusé d'être insolente, mais là, la vie de ma mère, il a abusé. Et c'est toi, t'as vu, il l'a canné, c'est parce qu'il a vu... C'est même pas le début. Non, il a, au moment, t'as vu, la vie de ma mère, il allait rien faire. C'est au moment où toi, t'as commencé à lui dire, ferme ta gueule, mais je vais la laisser heureux, ici. Encore heureux, ferme ta gueule, cousin. Mais c'est elle, elle le traite. C'est elle, elle le traite. Mais c'est lui, il l'a traité. T'es con, quoi. Vas-y. Mais la vue de ma mère, t'es con, quoi. On est arrivé en mode, on vient pour la protéger. Dans ce cas-là, on fait rien dès le début. Wesh, il est bête ou quoi, frère? Dans ce cas-là, on fait rien. Dans ce cas-là, on fait pas de rendez-vous. On fait même pas de trucs, on fait rien. Si on vient dans l'optique, on s'en bat les couilles. On peut pas rentrer là. Tu sais quoi ton avis là? T'en as pensé quoi?
d'abuser sur les insultes avec la meuf. Hein, mais bien sûr, voilà. Et là, on est passé quoi? On est passé pour des salopes en mode là, on vient, on se déplace, on la ramène. Mais ouais, ouais. Et en mode ouais, après, on lui donne raison en plus. On lui dit non, on va la laisser ici. Ma bite. Ça se voit, il y avait une. Je monte dans la voiture, moi, parce que je vais tomber. Moi, j'arrive pas. Au revoir, descends, frère. Merci, ma gueule. Ouais, du coup, j'étais en train de te dire, ouais, les insultes, abusé. Mais là, abusé sa grand-mère, moi j'étais en fou rire, j'étais choqué. La vie de ma mère, j'étais choqué. Non, les insultes, abusé sa grand-mère. Mais bien sûr, la vie de ma mère. Il a abusé de fils de pute. Mais moi, au début, quand il disait juste ferme ta mère, tu vois, ça. Ouais, voilà, au début, c'était carré, elle a dit je m'excuse. Ouais, voilà. T'es arrogante, en fait, faut le dire, elle était grave arrogante. Pour moi, au début, il n'y avait rien, c'est à la fin, elle a abusé. À la fin, j'ai conclu, je lui dis vas-y, truc. Les antécédents que vous avez eu entre vous, bah les couilles, t'as vu, maintenant c'est fini, t'as vu, maintenant à partir de maintenant tu lui fais rien. Mmh, ouais, j'ai capté. Dit, ok, moi je m'en bats les couilles. Mais de en toi, fait, juste là, attends, laisse-moi finir, cousin. Il lui dit juste là, à l'heure actuelle, t'as vu, il se passe rien. Juste, si pour éviter que ça parte en couille, me parle plus comme ça. Enfin, frère, abuse-moi. Mais en fait, t'as vu, dès que tu réfléchis un minimum, tu regardes la situation, tu vois déjà qu'il ment et qu'il y a une haine. Il y a un truc, c'est pas possible ouais, qu'il pète un câble comme ça, ça se voit. Ça se voit qu'il a pété la haine. Mais bien sûr, ça se voit qu'il voulait la haine, lui baiser sa mère. C'est-à-dire, au moment. Et la vie de ma mère, il allait rien faire. Au moment où toi, t'as dit la phrase je vais la laisser ici. Lui, il a compris que vas-y, en mode, on s'en battait un peu les couilles d'œil. En mode, il s'est dit ça. Hop, il a canné. Sinon, il aurait jamais dépassé cette limite. Encore heureux. Et ben, dans ce cas-là, cousin. On aurait fait la même chose, cousin. La vie de ma mère, on n'aurait jamais parlé comme ça. Nous, on n'aurait jamais parlé comme ça. La vie de ma mère, au moment où elle m'a dit t'es un ouf ou quoi, je sais pas quoi, qu'elle a fait la mine, la vie. Mais parce qu'il lui traite sa mère, il enchaîne. Abuse pas. Mais sérieux ou quoi? Moi, y'a des meufs, elles me viennent, elles crachent dessus. Je la frappe, elle rend les coups, je l'ai pas canné. Lui, il lui dit nique ta mère, il lui a dit des insultes, la tête de ma mère, c'est abusé. En fait, et la meuf, elle vient, elle se vénère, elle a rien dit, elle a juste dit t'es un ouf, pourquoi tu parles comme ça? Et en mode là, elle a pas le droit de dire ça. Non, arrête, la vie de ma mère, oh, c'est très très grave. Oh, mais la vie de ma mère, tu t'en rends pas compte, c'est toi la vie de ma mère. Oui, d'accord. Calmez-vous, juste regarde. Y'a pas. Mais dis tout, parle normal, parle pour de vrai, suce pas. La vie de ma mère, elle s'est pas vénère, tu t'en rends pas compte. Arrête de. Elle a juste dit, c'est un ouf. Encore heureux, frère. La vie de ma mère, je comprends ce que vous dites tous les deux. La vie de ma mère, à sa place, on aurait pas réagi comme un SPD. Mais la vie de ma mère, on aurait abusé. Abuse pas. Non, mais ce qu'il lui disait. J'enchaîne, hein. Nique ta mère, nique ta mère. J'ai bien répété devant elle, c'était la tête des ouf, t'as vu. Là, on est là pour calmer l'histoire. Elle est là, elle fait la manie. Abuse pas. Mais parce que ça se voyait que même elle, en mode, elle était prête à s'en battre les couilles, elle a rangé sa perche, elle voulait le frapper en mode, s'en bat les couilles, elle meurt. La vie de ma mère, tellement il a abusé des insultes. N'importe qui, cousin, c'était un minimum d'honneur. On vient, on t'insulte, on t'enchaîne d'insultes, alors qu'elle, elle a pas dit une insulte. Normal, elle pète un câble. La vie de ma mère, c'est tout à fait normal. Et la vie de ma mère, elle s'est contrôlée. Parce qu'elle disait, t'es un ouf, elle disait juste ça. Ça se voyait, elle voulait craquer, mais elle craquait pas. Et lui, la canne, elle a utilisé le truc. Mais la vie de ma mère, c'est pas comme ça. Non, je crois que t'as pas bien entendu. Non, la vie de ma mère, soit t'es fou. La vie de ma mère, soit t'es fou. La vie de ma mère, soit t'es fou. T'as pas bien entendu. Mais elle a pas sorti une insulte. Donc comment t'expliques ça? Là, c'est juste, cousin, on a vendu une protection à des gens. Au final, on les protège pas. Dès qu'il y a un mec qui vient, il la traite en plus. Abuse pas. Putain. Ma mère, wesh. Mais c'est normal, à un moment, elle a vanné parce qu'il l'a traité trop. Il l'a traité trop, frère. C'est ridicule, frère. Et même, ça se voit, il l'a tué sur un chill chelou, frère. Chimera, c'est vraiment une boîte, il faut pas y aller, monsieur l'agent. Ce que ça tire, Chimera de merde. Pourquoi vous l'embarquez, monsieur l'agent? Il a fait quoi? Non, c'est le docteur. Je l'emmène pas. Je rassure monsieur Deville. Vous en faites pas, il ne part pas avec moi. Ah, bah les couilles, hein. Vas-y, monsieur l'agent, merci. Pas de soucis, passez une bonne soirée. Puis. De même. Évitez de trop zoner ici, il y a des personnes qui sont malades, qui aimeraient se reposer. On va partir. Allez, bonne soirée à vous. Assume les conséquences de tes actions. Allô, ton arme, fils de pute. Assume tout, mon frère. Fils de pute. Eh, monsieur l'agent. Appelez l'agent. Arrête. Dis-moi si moi je l'ai appelé, arrête. Mais alors, cousin, c'est comme ça. Je vais finir par croire que vous êtes amoureux, monsieur Deville. Mais non, parce qu'il s'est fait tirer dessus, le pauvre. Ils ont vérifié. Au cas où il est pas blessé comme il faut. Moi, je suis pas médecin. Hein. Après, le médecin m'a dit qu'il est. Ouais, mais il a subi une fusillade. C'est-à-dire, faut bien. Je sais pas, non. Ah, c'est une fusillade, frérot. Dans la colonne vertébrale et tout. Moi, le docteur m'a dit qu'il était victime d'une agression. Je n'ai pas tiré, monsieur l'agent. C'est tout à fait ça. Très bien. Après, de toute façon, c'est le médecin qui vous a.
qui vous a vu. Hein, donc, mais médecin, mais moi, là, je peux pas remettre en question la parole d'un médecin. Moi, t-shirt s'est gonflé là un peu, non? Je suis fou. Parlons cru, vous voulez que je le fouille, c'est ça, monsieur David. Mais non, mais regardez son t-shirt. Je sais pas, moi, les gars, vous... non, il y a pas un truc qui dépasse. Il y a rien. Monsieur, ce que je propose à la limite, c'est que vous fassiez une queue leu-leu et je vais tous vous fouiller un par un. Il y a pas de souci. Allez, vas-y. Ok, ok. Commencez par Netto. Commencez par Netto. Je m'appelle, les gars, je reviens. Allez, je sais, vas-y. Commençons par moi. Mettez-vous derrière les hermano. Visiblement, on a déjà perdu. Les hermano, hein. Attends, les hermano, on a dit des villes. Oh. Allez, gars, on va reculer loin, les gars. Ok, arrête. T'as vu qu'on se donne l'île des villes? T'es content? T'es un abruti, hein. Franchement, l'île des villes, t'es un abruti. Hey, toi, on check ce qu'il fait. T'es un abruti. Je vais dire. En gros, il m'a fouillé parce que j'ai pas tiré. Ah. T'as pas eu le temps, surtout. T'as pas eu le temps. Ouais, j'ai pas eu le temps aussi. Monsieur, écartez. Bon, bah, Netto, force les villes. Vas-y, Nelly, tu peux avancer, frérot. J'ai deux, j'en ai deux, moi. Non, mais avance, avance. Alors là. Vas-y. Oh, la doudoune, elle est bombée, là. Non, on se fait tous fouiller, portez tous vos couilles maintenant. Moi, ça y est, moi, la doudoune, là. Ah, la doudoune, bien bombée, bien. Monsieur, écartez les bras, je vais faire une palpation. Oh, c'est bon. Hop. Tout est bon. Rondo. Vas-y, bonhomme ou pas bonhomme? Mais bonhomme de quoi? Je suis une salope, les gars. Je la casse dans mon cube, bon, je vais jamais la trouver. Alors. Écartez les bras, monsieur Netto, je vais pas vous écarter les jambes. Essayez de vivre d'enfresser ou quoi? Ma mère, bonhomme. 42, Rondo, laisse passer, laisse passer. Vas-y. T'es moi. Vas-y, tiens, donne-moi, il m'a fouillé, moi. Oula. Non, je rigole. Vous avez quelque chose à déclarer sur vous, monsieur Netto, là? Merde, mon téléphone. Mon téléphone, monsieur l'agent. Vous êtes sûr? Ah, parce que au niveau de votre ceinture là, il y a quelque chose de plus dur, hein, quand même. Hein, et fait, ça n'a pas trop la forme d'un téléphone. On chie, bon monsieur. Quand on se fait tirer dessus, on a tendance à avoir peur. Et quand on a peur, ben on bande. D'accord, oui. Donc là, vous êtes en train de me dire que je suis en train de tâter votre gag, là, c'est ça là? Oui, donc levez vos mains, ça me dérange. Oui, ça va, moi j'ai les gants, à la limite. Oui, voilà. Mais j'aurais peur que vous preniez du plaisir, c'est ça surtout le problème. D'accord. Bon. Si c'est votre partie génitale, oui, on va se limiter. Voilà. C'est beaucoup, monsieur l'agent. Allez, suivant. Allez, maintenant, les gars. Oh putain, viens là toi. Non, c'est Netto. Eh, Netto, il a fait tomber un truc, non? Oh là là. Allez, toi, tu vas sur le côté là, mets-toi sur le côté là. Allez. Me force pas de tirer ta capuche là, mets-toi sur le côté, je vais te marmer. C'est ça, c'est le moment de ramasser. Il l'a ramassé. Putain. Oh là là. Libérez JB, ouais. Ça, c'est les 13. Nera, je suis un abruti. Ouais. Il est Géchard, lui. Je suis un abruti. Non, comme nous. Je suis un abruti, proche, un abruti. T'es un abruti. Mais pourquoi? T'es bête, David. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es avec Marvin? J'ai une question. Je dois parler. T'es avec JB? Attends, viens. Mais quoi? Avec JB? Mais c'est pas vrai. Attends, et nous, JB? Attends, c'est pas vrai. C'est vous qui... Est-ce que c'est une question, t'as vu? C'est vous qui m'avez shoot? Regarde, t'es fou, je crois, toi. Ah, c'est pas vous? Bah non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai coupé mes cheveux. Ok. Vas-y, je te fais confiance, t'as une parole, toi. Mais pourquoi tu comptes shoot? Parce que... vas-y, j'ai abusé avec Arv, mais... Dans ta bouche. Pourquoi tu peux que je te shoot? Arrête. Viens, t'as peur maintenant? Arrêtez, les gars. Ah, bouge pas. Vas-y. Arrêtez-moi. Arrête. Vas-y. Qu'est-ce que vous faites là? On va aller manger un morceau avant. C'est comme ça, Marvin. Marvin. Tranquille, les gars. Je fais ce qu'il y a rien. T'es mon mec, Marvin, à partir de maintenant. T'as capté ou pas? Tire-moi la poche. C'est pas grave sérieux, t'es mon mec là. Tire-moi la poche là, je t'ai dit. T'es mon mec, je veux dire de partout. T'es mon mec. Non, en vrai de vrai, sérieusement, c'est pas vous? C'est pas vous qui criez tout le temps Ibiké? Quoi? Ah, on l'a shoot ou pas lui, les gars? Je te baisais, frère. Mais lui, je l'ai shoot, lui. Tu m'as shoot? Smack le sur de toi, Memphis. Smack le, là, vas-y. Vas-y, arrêtez. Eh, mais c'est sacré. Pourquoi tu fais la gêne? Les gars, arrêtez. Pourquoi tu fais la gêner, là? J'ai smacké ton mec. Pas toi, je parle à Marvin. J'ai smacké ton mec. Marvin. Fais ce que tu veux.
C'est ton mec. Non, on va pas se moquer, c'est un menteur. Nara, elle enchaîne les mecs, c'est une dinguerie. Non, mais c'est ça que je comprends pas. Elle enchaîne personne, elle est avec moi. Marvin, t'étais pas là, Marvin. Nara, t'étais avec qui toute la soirée là? Et tu parlais à qui toute la soirée en message? Avec vous? Oh lolo, vas-y. Elle est avec JB, même JB va déjà gérer. Tu t'es fait shoot quand? Oh! Arrête, arrête. Il lui a quoi? Pourquoi il en fait mieux? Ah, il est tombé, non, il est tombé. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais oui, non, arrête! Eh! Hey. Ah ouais, toi t'es des bois comme ça, vas-y. Eh, vos mères. Eh, mais attends, tu la merdes comme ça là. Oh là là, arrête! T'es trop sale. Tu fais quoi? Allez. Arrête, Nara. Non, Neto, t'es. Non, vous êtes trop ça. Putain, j'ai installé un gameplay, les gars. Non, mais attends. Avec JB toute la soirée. Mais attends, attends. Mais JB, c'est un clown, il va gérer personne. Il a eu plus de meuf, il en aura plus. Vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble? Arrêtez, putain. Oh là là. Avec Monsieur Fils. Non, les gars. Oh la vie de ma mère, mais putain, Marvin. Oh lol. Marvin, grandis. Non, les gars, c'est bon. Mais c'est t'es avec elle là? Oui. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? C'est faux. En fait, là, on va regarder si c'est votre. Elle a plus de classe que vous tous réunis ici, les gars. C'est pas alors vrai, là, c'est pas là, c'est là. PDG, toi, je t'ai baissé ta merde, t'as compris toi? Là-bas, derrière? Copain. Ouais, les gars, libérable. Eh, mais, Nara, t'aimes quoi chez lui? Oui, monsieur l'agent. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée, pas de gravure. Bonne soirée, vous êtes reparti avec une arme, monsieur? Bah oui. Bah c'est bonne patrouille, hein, elle a payé cette patrouille. Oui. Putain, dommage que le Docteur Strange vous a appelé. Eh oui, c'est vraiment dommage. Bonne soirée, monsieur l'agent. Bonne soirée à vous. Pas de gravure. Ça y est, là, il est quartier, là. Putain, non, je. Il y a quoi avec les 306, Bébéto? Mais j'y savais, il m'a pris une, tu veux, il m'en prend combien? Mais t'as pris aussi, je suis grave. Il m'a pris mon arme. Il est bouffon un peu. Moi aussi, il est mort. Ah, il te l'a pris là. Vous aussi. C'est faux. Rondo, viens vers l'autre arme. Viens vers l'autre arme. Non, ils sont pas capables d'assumer. Attends, sors pas les coups de ça. Nara. Rondo. Il est où JB d'ailleurs? T'es ma regarde. Tu vois qu'il est pas là. So one. T'as vu JB? Il est parti poser le spike, c'est sûr. JB, il a eu qu'une meuf. Il aura qu'une meuf dans sa vie. C'est terminé pour lui. T'es qui la meuf? Bizarre, les filles. J'ai une meuf. Ouais, les filles. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, JB, je vais chercher JB. Vas-y, bouge, va là-bas, faut. C'est putain. Il est sur ses appuis en ce moment. Moi, j'assume, moi, les gars. Je serai avec une aveugle alors. Ouais, mais Haru, vas-y, ça y est, frère. Vas-y, quoi? Vas-y, ta meuf, elle te tient en laisse. Réveille-toi. Mais comment ça me tient en laisse, mon gars? Personne se tient en laisse, t'inquiète pas pour ça. Il est JB. C'est parce que... Hop là. Tu penses que je peux te voler ta meuf ou pas, Marvin? Viens ici. Non, vas-y, toi. Tu vas jamais me la voler, toi. Non, mais attends, viens, Nara. On va parler. Tu m'autorises à lui parler? Nara, vas-y, viens, on va parler. Nara, tu parles à qui? Tu parles à qui en ce moment en message? Et ne mens pas. Dis la vérité. On s'en bat les couilles. Dis la vérité, Nara. C'est une dinguerie. Tu veux que je dise la vérité? Oui, te trompe. À JB. Ok, premier révélation. Reviens dans le cercle, Nara. Nara, avec qui tu étais tout à l'heure au carré sur la table? Mais il y aura rien, moi je le sais. Chut, Marvin, ce n'est pas ton compte. Marvin. Là, au triangle, t'étais avec qui? Toute la soirée. En train de discuter. Avec vous tous? Non, il y a un mec en particulier. Même que tu m'as dégagé quand j'ai rejoint la conversation. Ah si? C'est qui là? C'est JB, c'est sûr. C'est obligé. Hein? Non, il est pas mort, t'es fou. Jure, il prend des. On est tous à l'hôpital. Prends des nouvelles. T'as vu qu'il évite parce que je vais lui faire du mal en vrai. En vrai, de vrai. Oui. Bah, la vie, je suis gentil. Nara, je vais te faire une petite confession. T'as vu quand t'étais en train de parler avec JB dans le bureau? Moi, j'ai tout entendu. Discussion dans le bureau. Attention, je t'ai fait confiance, Nara. Si c'est Nara, attention, c'est du cerf. Garde-toi, Memphis, c'est gay. Check moi ça si tu fais un truc à Memphis. Check ça. Check. JB. Trop de balle, va. T'es le mec ici, toi. Ça y est, toi, c'est fini, K.O. ou quoi? C'est comment? Ça a jamais commencé, frère. Mais tranquille. Petite bouche là, je vais en faire qu'une bouchée là. Aïe, excuse.
C'est qui Big Tris? Bah tiens, en parlant du loup, regarde qui arrive. Ouh. Force à toi. Eh, abuse à la mort, drague Nara à la mort. Marvin est en mode, il fait le jaloux de fils de pute. Dès que tu parles de Nara, il met une patate. Vas-y, il sort avec elle. Abuse de fils de pute, dis que c'est ambigu. Mais nique pas ton plan non plus, sois crédible. Essaye de niquer leur truc. Flop, Marvin. Eh, j'ai ramené l'accusé. Accusé. Vas-y, mets-toi au milieu, mets-toi au milieu. Bizarre, bizarre. Ouais, ouais, c'est comment? Je suis accusé de quoi, les gars? Accusé de tromperie. Que fais-tu à Nara en ce moment? La talk un petit peu, t'as capté, on chatte un petit peu par SMS, t'as capté, tout à l'heure je lui ai payé une petite bouteille de Belvédère, elle a bien aimé, tu connais Marvin, pendant que t'es pas là, les souris dansent. La souris s'appelle Jamie. Et la souris, elle a les crocs, poteau. Mais t'as vu quand le chat, il va être dans les parages, faudra pas que tu sois là, hein. Tout ça devant moi. Et on va pas parler en... T'as capté, t'as vu, moi oh, j'étais... Oh, je m'en bats les couilles. Arrête, tu connais, vas-y. De toute façon, hey, franchement, je te prends la légère. C'est rien, de toute façon. Je vais jamais la toucher. Même pas ouais, avec un bâton. Bah ouais, bah ouais. Bon, ouais. Je vais même pas réussir. Je pense demain, t'auras une discussion avec elle. Mais vas-y, bref. Oh. Okay. Vas-y, bah, j'attends demain, on verra, mon gars. Ah, Marvin, j'ai une question. Ouais, dis-moi, dis-moi. Si JB, il arrive à être en couple avec Nara, tu fais quoi? Ah gars, de toute façon, la question elle se pose même pas, ça va jamais arriver. Non mais réponds, réponds. Ah mais réponds, mais réponds. Tant que je suis avec elle, ça va jamais arriver. Mais réponds cousin, ouais, tu fais ce qu'il a question. T'es trop confiant la famille. Mais c'est pas possible, en fait je peux pas poser cette question, parce que ça va jamais arriver. Ah ouais, c'est chaud. C'est possible que tu quittes Marvin un jour. Là ça fait tic-tac là quand même. Mais ça c'est possible, le temps il commence à avancer poteau. Et toi, commence à baisser d'un ton, t'as vu? Je te prends pour un guignol, mais baisse d'un ton, Marvin. Sinon quoi, Marvin? JP, je vais te faire du mal. Je sais très bien au fond de toi. Par pitié, fais-moi du mal. Par pitié, fais-moi du mal. Il y a eu la même conversation. T'es même plus dans les embrouilles. Fais-moi du mal, Marvin. Fais-moi du mal. T'es un mec de soirée, t'es pas dans les embrouilles. Vas-y, vas-y. Reste à ta place. Est-ce que tu lui as déjà fait du mal à Nara? T'as vu, moi je dis rien, t'as su, c'est privé. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, je suis respectueux. Nara, est-ce qu'il t'a déjà fait du mal? Merci. Moi, j'ai jamais fait du mal. Mais c'est quoi du mal pour toi? Je comprends pas. En cas tu en as baby, tu dettes ça. Bien sûr, poteau. Tu l'as jamais touché de ta vie, cousin. Tu l'as jamais touché de ta vie. D'accord. Si tu veux, si tu veux. De toute façon, narratum, tu sais, tout part d'un pari. Bien sûr, je l'entends tous les jours. Non, mais c'est bon de le rappeler à chaque fois. 5000 dollars. Pour 5000 putains de dollars. Mais clochard que tu es, t'as pas honte? De quoi? Vas-y, ça part d'un clochard. Art va payer Marvin pour sortir avec Nara. Oh. Parce que TQ était sur Nara. Ouais, ça c'est vrai ça. Imagine Nara, toi, la femme que tu es. T'es une femme de Paris, Nara. Quelle honte. Alors que t'es une femme classe. T'as vu, c'est rien de remuer le couteau dans la plaie. Tu donnes envie de vomir. Il y a déjà eu des explications à tout ça, les gars. Ça y est. Les explications se doivent d'être devant le public et pas en privé. Vas-y, Rex. Mais... Bah, explique-leur, Nara, sinon. Pour qu'on juge, t'as capté, pour qu'on dise, ouais, c'est comment, moi, j'ai rien à dire, pourquoi, t'as vu, comment. On s'est déjà parlé, on n'a pas besoin de donner ça au grand public, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on n'est pas le grand public, on est le petit public, là. Ouais, tout comité, tous des mecs, ça se voit, vous voulez la... Eh, ça y est, les gars, afro-latino, c'est 2022, les gars, c'est Latino possible. Latino power. Non, c'est possible, les gars, la mix, bref, je sais pas comment on dit, mais vous avez capté. La mixité. Frère, mais pas beau-frère, arrête d'être con. Mais t'es avec des afros tous les jours, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Oui, arrête de dire latino power, ton gars Memphis en face de toi, tu dis latino power. Ma cousine, je la donne à l'île des villes, pas à King Arv, tu vois ce que je veux dire? Je la donne à Neto, pas à King Arv. À Neto, pas à King Arv. Comprends-tu mon langage? Ah, moi j'ai complètement capté, t'as vu, après, t'as vu, c'est vos problèmes. Moi, je sais pas comment vous êtes dans votre quartier, si vous vous entendez pas, c'est dans vous la même culture au Guatemala. Bizarre un peu, t'as vu. C'est bizarre. Eux, ils sont entre latinos, ils ont tout capté. Mais en fait, je comprends rien, cette relation. Parce que King Arv, il t'a donné un pari pour Nara, et moi, j'ai donné un pari à Nara d'être avec toi. En fait, cette relation n'a aucun but. Attends, quoi? Ah, mais ça, c'est cool. Et en fait, non, Marvin s'est attaché, mais Nara, ça se voit, s'en bat les coups de sa vie. Et je pense que JB, c'est ton moment de t'avancer, toi, Nara. JB, vas-y. Elle a avancé. Un vrai coup de latino. Pourquoi tu parles, Marvin? Tu parles bien, Nara. Laisse. Attends, continue les petits pas. Elle a continué vers des petits pas. T'as vu, JB, fais pas l'influence. Vas-y. Si t'es pas influencé par des personnes, ils auront pas trop. Regarde.
It's your time, Nara. Vas-y, JB, c'est toi l'homme. C'est toi qui dois faire 3-4 pas. Et elle en a fait un, mais toi, c'est 3-4. C'est toi l'homme, JB. Vas-y, JB. Vas-y, JB. Vas-y, vas-y. Il se roule une clope là. Arrête, arrête, apprécie-moi. Je vais y'a pas JB se mord la lèvre là. Ara, est-ce que. JB, vas-y. Montre-lui, c'est quoi, c'est quoi Non. JB, elle aime les hommes qui. Les hommes, non, les gars, elle est en couple, les gars, elle est en couple pour l'instant, les gars. Quand même, un minimum, les gars, quand même. Bah, je pensais que t'avais plus de couilles que ça, moi. Pareil. Là, parce que là, regarde Marvin, tellement il panique, il lui a envoyé un message, regarde. Oh les bâtards. Ah les gars, j'ai regardé Twitter, j'ai c'est qui Big Tree, je sais pas quoi. D'accord, oui. C'est qui Big Non. Alors là, I'm shocking. Quoi? Mais non, non. Regarde comment il a la haine. Mais non, c'est une dinguerie des tablettes comme ça. Tiens, allez à toi, MIG. Mais tu sais, Neto, on est en embrouille, c'est comment? Je vois, tu... C'est quoi, tu m'aimes pas? JB, vas-y, avance, JB. Les gars, arrêtez d'abuser, arrêtez d'abuser. Tiens son bras, Neto, je tiens le bras, JB. Ils sont timides, c'est des petits normal. Arrête d'être con, Neto. Vas-y, bouge-toi. Pousse-toi, Neto. JB, je vais te faire du mal, JB. Ah ouais, t'as galoche, Neto, au calme. Poussez-vous, laissez-les les deux, laissez-les. Galoche, Neto. Parlez, exprimez-vous. Regardez dans les yeux. Eh vas-y, de toute façon, je lui fais confiance. Oh oh oh, pourquoi tu pleures, Marvin? Marvin, il est réel. Non, je m'en bats les couilles, les gars. Oh, le menteur. Oh, le menteur. Oh, là là. Oui. Va à la maison, Marvin. C'est bon, JB, prends-la. T'es venu en voiture, prends-la. Ça y est, partez. Allez, bon, allez faire un tour. Marvin, tu vas rien faire. Ah non, ça mais... Y est, message, laisse je sais que vous êtes des haies, regarde, les gars. Il lui envoie des messages. On a vu de ma mère. On est plus fort, les gars. Plus fort de quoi? Mais quel plus fort? C'est lui par avec. Galo, devant tes yeux. Nara, viens, Nara, viens. T'es rentré chez Watt tout seul ce soir. Nara, c'est fini. Quoi? Je peux te parler vite fait. Bien sûr, viens. Elle sait très bien, cousin. T'as vu, elle sait très bien. Eh, monte, JB, il est dans sa voiture, il t'attend. Juste, va faire un petit tour. Arrêtez, c'est juste pas un jeu. Juste un petit tour, mais on s'en fout de Marvin, vas-y, viens. Monte dans la voiture, il va te rejoindre, JB, vas-y. Va pas là-bas, va pas, calcule-le pas. Vas-y, viens. Gros pas, je te paye. Non. Mais il lui parle par le message. Eh, hey, t'as vu, hey, Marvin, t'es un sac à main. Ça y est, arrêtez d'abuser, les gars, vous allez pas réussir. Mais normalement, t'es un homme. Tu viens, tu l'aides, ouais. Tu dis vas-y, fais. Tu parles même pas. Toi, t'étais mais là à essayer parce que tu doutes. Je vais lui baiser parce que tu mère, doutes de toi-même. Mais cousin, elle s'est laissée faire. Mais elle s'est pas laissée faire. Elle a accepté, poteau. Elle a fait. Accepté ou pas? Elle rigole. Non. Arrête de mentir. Elle a pas accepté. Elle est morte de rire. La vue de ma mère. Accepté ou pas? Oh lolo. Oui, j'ai accepté. T'es un abruti, tu crois tout. Allez. Non, mais je te pose la question. Là, elle a utilisé un petit prétexte pour l'embrouiller. Bref. La vie de ma mère. C'est affreux. De quoi? Ouais. La meuf, elle s'est réveillée. Qui? La meuf que Ghost et la canne, elle est là-bas. Ah ouais. Tout, tout le monde l'a vu là. Oh, elle est vivante? Ouais. Ouais. Là-bas dans le truc, on fait quoi là? C'est comment? Maintenant, tout le monde est au courant. Non, faut pas qu'elle dise. Va à son lit et dis, ouais, parle pas. Dis rien. Tic-tac, frérot, tic-tac. Pas toi, t'auras plus d'influence. Le temps, c'est de l'argent. Cousin, vas-y, moi, je sais pas quoi faire, frère. Je sais pas parler à un cadavre. Va lui dire, va. JB, va voir Askiparo et Servé. Tu dis, elle dit rien à personne. Haru, elle est pas morte? Non. Putain. Vas-y, va. Non, les gars. Et il pleure, Bébéto? Non. Ouais, va voir, c'est. Tout le monde. Eh. Marvin, vous savez, Marvin, ouais. Il faisait quoi au lieu de. Non, hey, t'aurais fait quoi à la place de Marvin, Memphis? Là, mais je me serais battu, frère. Chez Ab, cousin, c'est ta meuf, mais je vais le baiser. Si à ta place, j'aurais niqué sa mère, tu vois. Mais je vais le baiser, je sais ce que j'ai à faire. C'est moi qui vais te dire ce qu'il faut faire. C'est ta meuf qui t'a fait. Tu vas rien faire, Marvin, tu vas rien faire, bouffon. Tu vas rien faire. Je vais rien faire. Merde, sûr de toi, j'ai rien faire. Bah oui, tu vas rien faire. Comme d'hab, qu'est-ce que tu vas faire?
T'as vu, vous me connaissez pas en ennemi, les gars. Vous me connaissez en ami. Oh là là, mais tu te finis par une meuf, trop de balles. Vas-y. Mais jamais de la vie. Alors, bref, j'ai rien dit. Bref, vas-y. Mais tu vas-y, parle, vas-y, dis. Ne jamais être sûr de soi. Laissez-moi tranquille, les gars. Toi, avec ton gros bandeau qui te sert bien la tête, ça se voit. De près, ton cerveau, tu deviens conne. Ne jamais être sûr de quoi? De quoi? De soi. Comment ça? Soi-même. Explique. Bah non. Mais toi, t'aimes bien Marvin, sincèrement. Sincèrement. Dis la vérité. Il t'attire. Y'a un million de mecs. Dis la vérité, Nara. Dis la vérité. Entre lui et TQ. Entre lui et TQ. Sois honnête. S'il te plaît. Ah, TQ, non. TQ, non. Ah, ça y est, la haine contre moi, gros. La haine contre moi, frère. Entre lui et JB. La tête de ma mère. Ça y est, arrêtez d'abuser. La tête de ma mère, qu'elle aurait pas la haine contre moi, elle aurait dit moi. La vie de ma mère. La vie de ma mère, j'ai dit. Eh frère, écoute, toute la soirée, elle était avec JB, t'as vu? Dans le coin, t'as vu? Tu vois, quand il y a un groupe comme As, et de l'autre côté, il y a deux mecs. Il y a un mec et une meuf. Mais c'était comme ça, frère. Toute la soirée, cousin. Réveille-toi, frère. Et ils étaient là, ils ont parlé pendant 30 minutes. Non. KVP, merci force, mon frère, pour le frère. C'est JB, les gars. Bien vu. Bref. Même pas, mais la gueule, je t'entends. C'est JB, elle détraqué, non, elle séducteur. Elle séducteur. JB, c'est vas-y, les gars. Je vais pas vous faire un dessin. Vous savez comment il est, JB. Pourquoi toi, t'es comment? Mais toi, t'es pire que lui. Parce que la vie de ma mère, JB, il aurait pas réagi comme toi. Hein. Il aurait laissé. Mais... Il aurait laissé. Elle était là, elle rigolait, elle s'avançait, elle reculait. Cousin, elle pouvait être ferme. Elle pouvait être très, très ferme. Hein. Mais pourquoi tu parles de moi? Je captais pas. Elle a laissé une possibilité, ta meuf. T'as vu, je te le dis. Elle a laissé une ouverture à JB. C'est vrai ou pas, Nara? Nara? Peut-être, hein. Oh. Et toi, t'es avec elle, et t'es encore comme ça. T'as entendu? Non, mais on se fait confiance. Allez, t'as vrai des bouffons. t'as vu, là, j'aurais mis une tarte, je me serais barré. T'as vu, je te dis la vérité. Vas-y, les gars. Qu'est-ce qu'il va faire, les gars? C'est la meuf de son quartier qui lui met des tartes. Qu'est-ce qu'il va mettre, lui? Attends, j'ai une baisse. Arrête de parler d'elle, frère. Mais en fait, devant ta meuf, je vais te niquer ta mère. Devant ta meuf, je te dis ta mère. Devant ta meuf, je te piétine ta mère. Devant ta meuf. Que des écrasements de tête. Regarde, que des écrasements de tête. Regarde, devant ta meuf. Arrêtez, oh! Non, je te montre. Je me relais parce que j'étais pas à terre, fils de pute, et je te remets au sol. Bon, toi. Et ouais. Aïe, c'est bon, arrête. Aïe. Je te relais, fils de pute. Oh là là. Et là, moi, je mets le coup fatal. Le mec, il sait pas te défendre. Mais il est solide. Maman, moi, il sait me défendre. Vas-y, défends-toi. Oh. Allez, Nara, non. Arrête. Tiens. Wesh, la honte. Bon, la survécu, frère. Pourquoi tu me dis pas, je vais te baiser ta grand-mère. Je rigole pas avec toi. Moi, la tête de ma mère, je vais te niquer tes morts. Dis-moi, papa, je vais te niquer ta mère. Dis-moi, papa, je vais te niquer ta grand-mère. Non, mais je te dis, je rigole pas avec toi. Qu'est-ce que t'as des douchés ou quoi? Je suis bon, j'ai pas de père, moi, salope. Attention à ce que tu dis avec ta vieille bouche. Mais je parle à vous deux, je m'en bats les couilles. Tu parles pas, à moi, tu me dis pas. Mais t'as vu, t'es personne en fait. Je sais pas où tu redescends. Gros, tu m'en fais, je te baisse ta mère. Tu vas baiser personne. Je te baisse ta mère. Y'a quoi? Tiens, puis pète le seum. J'ai dit, je vais. Parce que tu sais, ils faisaient les parasés derrière. J'ai dit, je vais ramener vos darons. Aux deux, t'as vu? Et lui, il a pété le seum. Mais c'est qui leur daron? Mais t'as capté, j'ai dit ça comme ça pour rigoler. Tu vois. Qui leur donne? Parce qu'ils faisaient les parasites. C'est quoi la blague? Faisaient... Explique la blague. Parce qu'ils faisaient les enfants. Pas dans l'hôpital, tu fais quoi, pas dans l'hôpital, les enfants. En fait, ils faisaient les enfants, t'as capté, j'ai dit vos darons. Donc, pour la... Il y avait rien à voir, je sais pas pourquoi ils prennent ça au sérieux. Je sais pas, moi, je me renseigne. Faut pas être blessé comme ça, les gars, il faut être solide. Cœur de pierre, t'as capté? Que c'est une insinuation, ouais, je sais. Je sais qu'il a fait ça. Laisse tomber, t'aimes pas, t'aimes pas quand on dit que t'es mon fils? Ah, parce que quoi, il y a des façons de dire, tu peux rigoler. Hey, t'as vu, il me l'a dit vraiment. Il a vu que je t'ai pas laissé passer ça, donc quitte là, il te fait la rigole. Mais t'es mon fils. Moi j'aime pas quand on me dit ça. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Je suis pas ton fils. Non, on est collègues encore. On est collègues de et quoi encore, et il encore. A parlé, on dirait on était au bistrot. Hey, mais, hey, mon... mais tu es un fada, toi? Tu es fada, toi? J'ai l'impression que t'étais hors de tes gonds là. Ouais, j'étais hors de mes gonds parce que j'aime pas qu'on me dise ça.
Surtout quand il me l'a dit, en mode je suis comme s'il me connaissait depuis 20 ans. En mode t'es un jus de couille. C'est ça, en mode je suis. Arrête, c'est cousin. T'es moi, il lui est arrivé quoi ? La meuf, elle lui a dit ah la gueule que. Ouais, tu sais, mais il y a pas. Ah non merde, tu vois encore il me l'a dit. Ce qu'il m'a dit la même, ce qu'il avait déjà dit hier, il me l'a dit à moi. Frère, comment ? Non, je lui dis ce que j'avais lui dire. Et je lui dis bien dans la voiture quand il y avait personne. Hein. J'ai pas changé de parole moi quand il y avait tout le monde. Mais pourquoi t'as pas de père Non, mais tu sais très bien de qui parler, tu sais très bien. David, il a pris la bégaye. Il parlait de qui ? Quoi, t'as pas de père ? On comprend pas, non ? Ta gueule, toi, ferme ta gueule. Je rentre dedans quand je veux, moi. Dis les mots. Ta gueule, toi. Dis les mots. Bah, vas-y, venons, on se barre, non ? Ouais, vas-y. Et JB, viens. Allez voir là. Vous êtes au courant là pour Haru ? Oh non, d'accord. Bah, on sait juste qu'elle a disparu, quoi. Venez. Venez, je m'arrête pas. Putain de maladie, la flemme. Ouais. T'as vu Haru là, il y a eu une galère avec elle. Là, juste allez la voir, dites-lui que nous on est au courant parce qu'elle a perdu la mémoire, je sais pas quoi. Bref. Elle est où ? Elle est dans une chambre. Et dites-lui qu'en gros nous on est au courant et demain à ramener là, on explique, on règle ça. C'est merde chaud. Sinon c'est comment pour l'autre là ? Vas-y, moi j'ai envie de la fracasser. On va la niquer, mais attends, c'était pas le moment là ce soir, c'est mon chat la niquer. Si elle me répond pas, vas-y. Bah demain. Vas-y. Bah vas-y. Elle est où, Leïla ? Elle est partie dormir ? Ouais. Elle m'a dit qu'elle revenait, mais elle reviendra pas, je pense. Je pense qu'elle doit être fatiguée, là, à mon avis. Vas-y. Mais pourquoi tu veux qu'on j'éboue bah oui, tout à l'heure ? Non, j'attends Leïla. Vas-y, bah on attend. Mais tu veux, fils de. C'est pour ça que t'as vu pour les mecs comme ça, ça te choque pas. Mais moi, j'ai sorti ça en mode van. Que tu te réveilles, tu me dis, mais t'es sérieux là ? Non. Attends, elle est où notre voiture ? Derrière. Là-bas, derrière. Eh, Jamie, tu te rentres ? Hello JB, qu'est-ce que tu fais toi, faut battre. C'est à cause de toi qu'il devient comme ça. Et ça y est, comment c'est passé là, c'est jour 2. T'as eu, je l'ai mêlé au poitrin, bande de salope. C'est ça, les jours que tu dois pas faire quoi, t'as dit ? Vas-y. On va te faire crier. On va te faire crier, cousin, aujourd'hui. Viens. C'est très bien, frérot. Attends, regarde, je vais te sortir le sabre laser. Oh non. Vas-y. Vas-y quoi Je te pétarde. Vas-y quoi pousse-toi, ah ouais pousse-toi. Pousse-toi, regarde. Vas-y, pétarde moi. Vas-y, pétarde. Vas-y, grande gueule. Comme hier. Hop. Et vas-y, toi là, t'es ma mère, t'as faute, t'as fait le mec, vas-y. Tabasse-le. 5, oh, vas-y. De la tête, vas-y. Vas-y. 5. Oh. Vas-y, Oh. Là, il est où ? Excuse-moi, tu voulais me dire un truc ? Allô, tu m'entends ? Attends, tu m'entends? Oh, viens, on se barre, c'est bon. Vas-y, bouffe. Trou de balle. Attends, vas-y, barre-toi, salope. Bon toutou. Trou de qui? Descends, c'était un homme. Salope. Tu mets un dernier ou on taille? Trou de balle. Bon, il met. Bon, espèce de bon toutou, va. Elle est Buffalo, non? C'est sûr. Oh, j'y descends. Ouais, si, il est là. Lui, il a une mauvaise réputation. Eh, la vie de ma mère, j'ai pas fait exprès. La vie de ma mère, La vie de ma mère, je pensais t'allais tout droit. T'as vu, t'as qui est Nara ? Est-ce que t'as vu que j'ai pris tes balles, trop de balles ? Viens, monte, je te dépose, monte, je te ramène à eux. Vas-y, monte. Tu m'as niqué ma mère. Vas-y, monte. Comment ça, monte ? Oh, elle est grave conne. Elle va derrière Chiku, comment ça la braquer, cousin ? Vas-y, je vais m'occuper de toi. Non, arrêtez. Comment arrêter ? Mais là, tu vas faire quoi, Chiku ? Je te dis ce que je vais faire. Mais gros, braque-la, je te parle sérieux, braque-la. Je fais quoi ? Je la braque, là. Braque-la. Je comprends pas trop ce que vous voulez faire. Moi, j'ai tout est prévu, là, dans ma tête, là. On va tuer Marvin, devant tes yeux. Là, attarde-le, vas-y, fais ce que tu veux. Appelle Marvin, dis-lui ouais, t'es où, je viens te chercher. Vas-y, appelle-le. Voilà. Si ? Oh non, attends. Je vais me battre la tête là. Non, attends. Moi je tire ou pas, David ? Balle là. Si elle fait pas, tu tires. Attends, il y a l'appel. Vas-y. Marvin, t'es où ? Parle normal, hein, tu fais un truc qui est cramé, je te. Rends tout.
Tu rentres où? Parle bizarrement là, je le tire pas. Parle normal, sois pas cramé. Tu... Viens, on se voit... Viens au barrio. Vite fait. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qu'il raconte lui derrière? On va l'attenter. Je dis, je sais pas moi, viens Central Park dans une zone neutre, je sais pas. Putain, ils sont trop relous derrière. Viens Central Park. Non mais attends, on s'aime les autres déjà. Non mais viens, ramène-toi. Non mais... Faut qu'on s'explique. Oh là là, pourquoi t'es cramé comme ça? Non non, elle est comme ça, je te jure qu'elle est comme ça. Okay. Ramène-toi. Faut qu'on s'explique là, de ce qui se passe. Tu vas pas dormir, tu vas venir tout de suite. Dis-lui, je viens te chercher, dis-lui, je viens te chercher au pire. Il vient te chercher. Il m'a raccroché au nez, sa mère. Il a peur. Appelle-le, dis-lui. Eh, regarde, tu vas faire quoi là? Tu vas dire, dors pas, je vais t'envoyer un. Allô? Appelle-le, dis-lui, dors pas. Je suis avec David et toi. Bah, y'a tout le monde qui a bougé. Viens, 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 quartier. Fais une carrière au quartier, viens. Il répond pas. Vas-y, voilà. Vas-y, fais venir tout le monde. Allez. Dors pas. Vas-y, bref, si t'arrives pas à nous le ramener, on l'a fait dormir dans la cave. MJ, comment elle parle? Juste, je vais t'envoyer un truc. Vas-y, Marvin. Juste, tu veux dormir, vas-y, mais je t'en... Dors pas, je vais t'envoyer un truc. Genre un message. Marvin. Tu dors pas maintenant. Il veut t'envoyer un truc. Par message. Un truc. Non. Je suis mort. Non, il voit pas. Il a dit... Vas-y, descends juste, je t'envoie tout de suite. Il a dit quoi? Il a dit, c'est toi qui es passé devant le quartier avec... Viens, viens, Chikyu, Chikyu, viens. Ah, je suis là, Yonara. Et là, envoyez un message, t'écris attends. Attends. C'est tout. C'est moi? Ouais, ouais, t'es juste attends. Ton téléphone là, vas-y, je regarde ton téléphone là. Et il se passe quoi là? Je vais le faire. Vas-y, non, fais-nous. T'es plus vite là. C'est bon, c'est fait. C'est ma razor, carrément, merci mon frère. Carré. 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 Vas-y, viens, viens, viens. Avance là. Rentre. Aujourd'hui les gars, il va wipe son perso Marvin. Vas-y, entre. Bienvenue. Il t'a répondu quoi? Il ne répond pas. Bah dis viens, viens mon quartier. Pas là, pas là, viens, on reste dans le salon, cousin. Mais non, non, y'a que toi, rentrez pas les gars. TQ et elle, venez. Ah, vas-y. Viens, bah, viens. Dis viens au quartier. Viens, viens, rentre, rentre, pas là. Rentre. 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 Maintenant, TQ, t'as vu, allonge-toi sur le lit. Oh non, non, non. Non, 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 mais non, mais abuse pas. Maintenant, pour sortir ton téléphone, toi. C'est... Tu prends un selfie et tu prends la... juste là. La... Tu prends pas pour lui, hein. Tu prends juste la photo. Attends, attends. Je vais faire quoi là, fils de pute? Range ton calibre. Je vais lui briser son cœur à ce fils de pute. Tu sais, je vais pas me baiser mon cou avec Kara, toi. La vie de ma mère que non, abuse pas. Mais bah, on lui dira, c'est... Non, 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 vas-y, blé. Mais non, faut qu'il sache que c'est toi. Vas-y, vas-y. Eh, hey, écris rien d'autre. Prends... Hein. Écris rien d'autre. Non, je le prends en photo. Non, non, je. Non. Attends, attends, tu vas attendre que. T'inquiète. Juste, assis-toi, assis-toi. T'inquiète, tu selfie, fais ça. Selfie, selfie, Nara. Attends, bouge pas. Attends. Attends, attends. Tu prends juste la photo, hein. Tu prends pas, t'en vois pas, en gros. Tu prends la photo. T'es en selfie, on me voit pas dans le cadre. Attends. Ah, c'est bon. C'est bon, pas Devil. Ne bouge pas, toi. Ça, elle est pas contre, wesh. Marvin, c'était un gage, ils ont dit. Bon, j'ai pris. On fait lui ou toi ou JB? C'est mieux, toi. Je sais pas. JB, c'est bien aussi, gros. Mais toi, c'est bien. Comment, vas-y. C'est avec toi, ils sont embrouillés. Oh, Neto m'appelle. Vas-y. Attends, raccroche, raccroche. Maintenant, sors ta carte SIM et donne. T'inquiète, j'ai parlé qu'à lui, qu'à lui. Tu vas dans paramètres, tout en bas, et éjecter la SIM.
bouge pas. On dirait que ça te dérange pas trop, Nara. T'as envie de te débarrasser de lui? Que je te débarrasse de lui? Ouais. En vérité, j'en ai rien à foutre. Ah, on le sait, nous on le sait en plus. C'est une pute, ton mec, tu sais que c'est une pute. Non, c'est son mec la pute, je te jure que c'est son mec le pire. Ton mec, c'est une pute ou pas? Dis la vérité, s'il te plaît. Non, non, non. C'est Marvin, c'est lequel? Il y en a qu'un. C'est JS9 Marvin ou Mar? Ouais, non, JS9 Marvin. Ouais. T'as même pas vu. Il a écrit quoi, avec l'Edgeblock, Neto m'a dit t'es monté avec Trou de Balle. Pourquoi t'as envoyé le attends, mais à quelqu'un d'autre? T'as envoyé à Mar. C'est qui Mar? Non, non, c'est parce que je me suis trompé. Ah. Pourquoi elle lui. Attends, mais c'est moi ou elle dit Trou de Balle? Merde, elle t'a dit une Trou de Balle. T'as pas fait selfie, j'ai envie de te niquer. Mais si. Si, elle l'a fait. Tu sais, c'est quoi selfie au moins? Non, la mère t'a pas fait selfie. Qu'on voit ta tête en fait dans le selfie, tu vois ce que je veux dire? Moi et ta tête. Allonge-toi. Vas-y, fais-le. Bah, allonge-toi. Fais-le. Allongez-vous deux, je prends en photo. Oh, vous êtes des bâtards. Ah, ça te dérange pas, donc bon, moi je pensais que ça te dérangeait. Vas-y, viens à côté de moi, de toute façon. Viens. Pose-toi là. Vas-y. Attends, je m'allonge bien. Attends, mets-toi de l'autre côté. Il a appelé, j'ai raccroché. Vite, mets-toi de l'autre côté. Et après, de l'autre côté, vite. Prépare-toi, TQ. Là, après, je raccroche. Vas-y. J'envoie la photo. Vas-y, regarde comme si je la caresse les cheveux. Regarde, attends, hey, JB. TQ. Après, direct, dès que je prends la photo, je l'envoie. Viens direct, prends la carte SIM. Et appelle-le. Et t'abuses. Tais-moi, on dirait que je lui touche les cheveux. Avance-toi un peu. Ouais, vas-y, carré. Ah, je suis éteint. Tiens, vas-y, viens. Vas-y. Attends. Vous êtes des enfants, vas-y, prends ma carte SIM. C'est laquelle, cousin? Non. C'est laquelle? C'est Bah, j'en ai qu'une. Bon. Ok. C'est celle-là, 376. Et après, je fais comment pour la mettre? Tu dirais que tu vas dans tes poches, tu prends, ouais. Tu la prends, tu l'utilises. Vas-y, ouais. Vas-y. Mais regarde, j'ai envoyé à qui la photo? C'est bon. Je l'ai envoyé à qui la photo? Attends, je regarde. Tu l'as envoyé à Mar. Ah, vas-y, bah envoie à l'autre. Putain, envoie à l'autre. Mais c'est pas grave, tant mieux. Attends. Là, envoie à l'autre. Vas-y, c'est bon. Tu l'as envoyé? Vas-y, appelle-le maintenant. Tu lui dis, regarde ton téléphone. J'attends qu'il bouge. Mais cousin, je sais pas, j'ai oublié, j'ai pas fait gaffe. Fais comme si t'es... Sors, Nara. Faut pas que tu t'entendes là ce qu'il va faire. Là. Il va abuser. Sors. Elle a abusé. Il a dit, je vais dormir. Abuse, fais que de l'appeler. Allô. Abuse, fais comme si t'étais en train de baiser. Fais comme si t'étais en train... Allô. Fais comme si t'étais dans... Allô, tu m'entends, Marvin, ou pas? Tu m'entends, ou pas? T'entends ce que j'ai en train de faire? T'as vu la photo? Non, je l'ai pas kidnappé, elle est montée seule, là. T'as entendu ou pas? Regarde. Et en plus, il y a des villes, il nique ta mère à côté. Regarde, écoute. Attends, tu veux que je la passe? Attends, je te la passe. Ben, vas-y. Parle. Dis-lui, regarde la photo. Dis-lui, il regarde la photo. Il raccroche. Hola, mi amor. Il a regardé la photo. Il t'a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est détraqué, il va me faire passer pour un fou. Il a dit quoi? Kidnappé. Mais en plus, tu fais ça? Mais il est malade. Et maintenant, regarde. Attends, on enlève la SIM. Appelle-la. Attends. Nara, viens. Tu sais qu'il t'a traité de tous les noms. Non, c'est pas vrai. Appelle-le, dis-lui. Tu lui dis mot pour... Mais t'as vu ça, je te braque, t'as pas le choix. Parce que toi, ça se voit. Mais normalement, tu dois le dire de toi-même. Tu dis, je fais ce que je veux, quand je veux. T'as rien à me dire. Vas-y, appelle-le. Et tu nous mets au parleur. Tiens, vas-y, prends sur moi. Et l'iPhone, en bas de l'iPhone. Frère, il faut ça pour le réveiller, cousin. Il abuse. Mais ça, c'est pourquoi? Je vous jure, vous savez pourquoi là, il s'en bat les couilles de sa vie et tout? Ouais, c'est bon. C'est parce que lui, il était trop sur ses côtes. Et t'inquiète, on n'a pas abusé. À un moment, il aurait dû dire, vas-y, fais ce que t'as. Si tu fais un truc, moi, je te tège. Réaction normale, cousin. Lui, il était là. Non, les écoute pas. Si, normalement, c'est la tienne. Moi, j'ai la mienne, là. Non. Pas la tienne, là? Non, moi, non. J'ai la mienne, là. Attends. C'est pas mon numéro. Si, 376, c'est ça?
Si, c'est... moi j'ai la mienne, c'est bon. Pourquoi j'ai un numéro bizarre? C'est mère Body Benzo, merci mon frère. T'avais pas une autre sim sur toi? Tiens. Non. Tico, t'avais pas une autre sim sur toi? Non, j'en avais qu'une. Ah si, t'en as une là, fils de pute. Mais c'est la mienne, bah oui. Non, c'est celle-là. C'est bizarre, j'ai des numéros que. Regarde, je l'ai prise, attends. Tiens. Renlève ta sim. Enlève-la pas. Regarde, tiens, je t'en donne une. Utilise-la. Celle-là. Je viens de te passer là, Nara. Utilise-la. C'est bon. T'as réussi? T'as compris comment faire? C'est bon. Mais elle est où ma carte SIM du coup? Tiens, elle est là. Vas-y, appelle-le, Nara, appelle-le. Et il dit quoi? Tu lui dis, je fais ce que je veux, quand je veux, je te quitte. Et je suis bien avec TQ, bouffon. Non, pas avec TQ. Putain, en vrai, on mais aurait dû faire avec JB. C'est faux, on s'en bat les couilles, vas-y. C'est... Vas-y, dis vite, direct. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. J'en ai rien à foutre. Je te quitte, sale merde. Traite-le. Sale merde, pauvre con, t'es pas un mec, tu me défends pas, abuse. T'es qu'une merde. Mais haut-parleur. Bien sûr. Dis-lui, t'as pas entendu Tikyu ce qu'il faisait, t'as pas entendu le bruit de tout à l'heure? Non, dis pas ça. Ferme ta gueule, ça y est, toi, t'es pas content, tu dégages. Eh, dis-lui, t'as pas entendu TQ? Dis pas ça. Dis-t'as pas entendu TQ? Bah viens. Arrête d'abuser, fils de pute. Eh, dis-lui, t'as pas entendu TQ tout à l'heure? Dis-lui. Pas entendu ce qu'il t'a dit. Dis. Fils de pute. Arrête. Dis-lui, t'as pas entendu TQ? Dis-le, Nara. T'as pas entendu TQ ce qu'il t'a dit tout à l'heure? T'as pas entendu au téléphone? Ce qu'il t'a dit au téléphone? Oh là là, mais j'ai le fils de tout. Mais elle veut plus de lui, cousin. Faut qu'elle envoie la sauce pour qu'il la quitte. Il dit quoi, là? Mais... Je brise pas le cœur des gens. Si t'es pas content, ben, tu vas voir ailleurs. Oui, bien sûr, je vais faire ce que j'ai à faire. Ça m'extermine, putain. Il t'a dit quoi? Si tu veux briser le cœur des gens, nanana... Regarde, attends. Tu te fais braquer par les H-Blocs. Nara, regarde, va dans la salle de bain, s'il te plaît. Si. Va. Non, faites pas des dingueries. Non, mais... Ouais, tu me fais pour qui, là? Je m'abuse pas. Allô. Regarde-toi dans la glace. T'arrives à te regarder? T'as eu... Nara, tu m'entends? Écoute. Regarde-toi dans la glace. Regarde-toi. Écoute. T'as vu, regarde. Non, mais regarde. T'as l'heure, tu t'es manqué avec moi. Eh, c'est une vraie mot... Écoute, d'où des meufs, elles ont fait ça IRL à des mecs. Hein. Suis mon arbre sur le dos. Qu'est-ce que ça doit être dur. Vite voilà, qu'est-ce que ça doit être dur. Tu t'es loupé avec moi, ma gueule, tu vois. Là, ce qui se passe là, voilà, ça s'est passé dans la vraie vie. Ouais, tu t'es loupé. Moi, des mots qu'il fallait pas. Moi, j'ai pris ma vengeance, tu vois. Balle au centre. Calme, y'a rien, mon frère. Rien, t'inquiète pas. T'inquiète, mon frère, j'ai pas la. Nara, t'as aucun remords, rien. C'est juste qu'il y avait pas balle au centre, tu vois. En vrai, non. Mais c'est choquant. Même moi, que c'est moi qui a fait le plan, il me fait de la peine. La vie de ma mère. T'as aucune peine, là. Non. Aucune peine. Et vraiment... Est-ce que tu vas le prendre mal, ce que je vais dire? Non. Y'a une pute, hein, je te mens pas. Bien sûr que non. Et regarde, t'étais avec lui. Pourquoi t'étais avec lui, alors? Si tu l'aimais pas, fallait le quitter. Regarde là, t'as fait quoi? Regarde ce que t'as fait. Bah alors, au moins, je dis les choses. Ouais, mais... Je dis les termes. Mais pourquoi tu les as pas dit tout à l'heure? En vrai, dis la vérité, tu fais ça que pour ton gang. Non, bien sûr que non. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai discuté un peu avec... JB. Et JB te plaît plus? Oh là là, mais t'es vraiment la reine des 13. Mais non. Attends, je vais t'appeler. Pas penser comme ça. La vie de ma mère, c'est... Il faut penser comment? Et si moi je te drague, je peux tacler JB ou pas? Non. Ah, j'ai aucune chance. Allô, JB, David. Viens dans la maison, viens, il y a une dinguerie, viens. À l'appart. J'arrive.
Je suis choqué, la vie de ma mère. Regarde notre stock d'armes, tu veux voir c'est... on a combien? Non, ça me regarde pas. Ah, attends, il fait quoi? Tu fais quoi, fils de pute? Tu vas vouloir faire des trucs à JB. Viens. Bref. C'est que... Mais tu sais, elle a dit quoi, TQ? Attends, écoute. Elle a dit, elle préfère JB, la vie de ma grand-mère. Elle vient me le dire. En gros, elle a fait ça parce qu'elle préfère attends, JB. Attends, deux secondes. Voilà, tu sais très bien. Mais moi, JB, c'est votre embrouille. Par contre, si j'entends, t'as eu. Je préfère se prévenir, au moins c'est fait. Si j'entends, par contre, dans l'embrouille, il y a d'autres personnes que toi, là, par contre, on va s'y mettre, nous aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je te fais confiance. Ah ouais, mais t'es une de ces arnaques, Nara. Juste, pas d'autres mecs, c'est bon pour toi. J'étais sur Matchmaker, tu sais rien à voir. Vas-y, bah parfait. Nara, ouais, elle va t'appeler. Nara, je vais lui dire et elle va t'appeler, je pense. Nara! Est-ce que tu veux, je te la dépose. Nara! Nara! Voiture, mais quelle déposée? Elle veut JB. Vas-y. Nara! Si? Pourquoi t'es une arnaque qu'est-ce comme tu ça me disais, qu'est-ce que tu me disais? Attends, t'es pas la même là sur Matchmaker. En gros, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi je lui ai dit, t'as des remords? Elle m'a dit, non. Je lui ai dit, mais comment? Même moi? Même TQ. En vrai, il fait pas de la peine, les mecs. Si, là, comme il vient de me parler, ouais, un peu. Mais voilà. Ah, vraiment, alors que regarde comment t'avais la haine contre lui. Et dis-toi qu'elle parce que t'as elle a pas. Non, mais tu sais qu'elle a pas de peine. Sur ça. Tu sais qu'il m'a parlé sur ça. Je te jure, je parlais pas de David. Ouais, ça, ok, bref, bah les couilles. Eh, là, elle m'a dit, ouais, qu'elle a aucune peine. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? Elle m'a dit parce qu'elle préfère. Comment ça s'appelle? JB. Bah ouais, bah c'est sûr, je l'ai vu. Allô? C'est bien, Nara, c'est bien. Allô? C'est bien ce que mais tu arrête fais. Allô? C'est bien. Allô? C'est qui ça? C'est qui, frère? Je sais pas. Un numéro grave bizarre. Bon, vas-y, on fait quoi, cousin? En gros, voilà, je lui ai dit pourquoi t'as pas de remords? Elle m'a dit, mais. Parce que j'ai parlé à JB. Et je préfère JB. Thomas. Mais en vrai, c'est pas que j'ai des remords, c'est juste. Ouais, allô? Je sais pas, faut savoir les faire. Les femmes, comme on les aime, hein, Nara? Allô? Non, mais arrêtez de penser que allô, je suis une grosse poutine. Oui, Farel, oui. Pas, et qui, on n'a jamais dit ça, la vie de ma mère, je t'ai jamais dit ça, bref. Moi, par contre. Non, faire mais. Des rumeurs. Ah, ok. Pas... Jamais dit ça, moi. Bref, qu'est-ce qu'on fait des villes? Est-ce qu'on envenime un peu les choses, on la ramène là-bas pour qu'il y ait une explication devant nous ou pas? Moi, j'ai grave envie. Ça... Vas-y, go. Tu le quittes devant nous? Vas-y, viens, Nara, viens. Vas-y. La soirée n'est pas finie. Fais-le, Jules, on arrive. Non, mais ici, c'est qu'on arrive, ici. Eh, la vie de ma mère dinguerie, les gars. Hein, eh, je peux leur expliquer, Nara, ou pas? Je peux leur expliquer? Pourquoi il y a Nara là? Wesh. Oh, ça dit quoi, les gars? Je leur explique? Je suis fatigué, là. Eh, regardez, en gros, bah ouais, à la base, moi, t'as vu, on la braque. Ouais. Mmh. Elle monte avec nous, on la ramène dans l'appart. Moi, je voulais juste, en gros, qu'elle fasse un selfie avec TQ en fond dans le lit. Puis qu'il s'est embrouillé avec son mec, là. Foute la haine à son mec. Oui, Kara, foute la haine à son mec. Foute la haine à son mec. À son... Oui, j'ai compris, voilà. Et elle l'a fait sans broncher. Et elle l'a appelé. Et en gros, je lui ai dit, vas-y, quitte-le et tout. Elle l'a fait, mais d'une cruauté incroyable. Elle lui a dit, ouais, bah les couilles, t'as qu'à... M'en foutre, ton cœur est brisé, j'ai rien à foutre et tout. Elle raccroche, je lui dis, mais pourquoi? Mais pourquoi t'as aucun cœur comme ça? Même moi, même si TQ qui s'est embrouillé de baiser avec le mec, il a de la peine du mec. Elle me répond, parce que je parle avec JB. Elle me dit, parce que JB, la vie de ma mère. En gros, et là, on va la ramener chez le mec pour qu'elle le quitte et elle revient. Mais ils sont à l'hôpital, je crois, encore. Je sais pas. Non, il est chez lui. Vas-y, viens, Nara. Oh ouais. Mon chouchou. Ouais, t'es une sorcière, Nara. Oh, on a plus d'essence. Oh la sorcière. Non. Elle a vu des buts. Ouais, c'est vrai que Benzema, il était chaud là hier. Cet après-midi. Ouais. Ça va, Nara? Le croquet, on n'a pas entendu la même chose. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a entendu que toi? Hein? T'as entendu quoi? T'as entendu quoi, Nara? Attends, Neto m'appelle. Vas-y, raccroche. C'est bon, non, t'es toujours en prise d'otage, nique ta mère, raccroche. Ou en vrai, attends, je l'appelle, c'est moi qui l'appelle, je l'appelle. Réponds, je m'envoie dans le mur. Vas-y, réponds, vas-y. Non, arrêtez. Attends, je l'appelle moi. Et j'ai pas d'essence, frère. Envoie le volant. Une pompe, là. Vas-y. Vite. T'es pas vif, t'as vu? Pourquoi t'es pas vif? Elle est où, Nara? Allô? Elle est morte.
dire la vie de ta mère. Ouais. C'est qui l'a tué? C'est moi. Fils de pute. Non, je rigole, viens chez les Crips. Elle va quitter Marvin. Chez les Crips? Ouais, viens, viens. Pourquoi JB m'a dit H-Block? Parce que lui, il est là-bas, mais là, c'est la étape finale. Là, d'abord, on est chez les Crips, mais sans JB. Ok. Je suis en moto. Vas-y. Putain, il est où? Il est là-bas, vas-y, viens. Tu vois? Oui, bah, je crois que c'est le mec là-bas, quand même. Explique-moi, Nara. Regarde, y'a rien à expliquer, juste regarde. Ah, ma petite gueule. Ah, gros. Regarde, non, nous, on se met là, nous, quand même. Non, tu vois. Vas-y, laisse-nous écouter. La on va parler. Et comment ça, écouter? Juste, on écoute. On va pas intervenir, tu vois. Non, au cas où, au cas où. Je te jure, on a... ça, au cas la où. Vie... Regarde, là, je me mets à la vie de ma mère, je fais aucun commentaire. Rien, même pas un. Ouais, mais ça... mais. Nara, elle veut vas-y, parler vas-y. Devant nous. Vas-y, c'est bon, regarde. On se tait. Tu veux parler devant eux ou pas? J'en ai rien à foutre de parler devant eux. Bah, c'est toi qui décide. C'est moi, je. Moi, je t'ai dit, je veux pas parler devant eux. Après, si tu veux parler, parle. T'as un mouchoir, s'il te plaît. Moi, je t'ai dit, ça sert à rien de se donner en cirque, comme je t'ai dit. Comme je t'ai parlé tout à l'heure. Neto, il veut entendre. Non, Neto, tu veux entendre. Bien sûr, on veut tous voilà, entendre. C'est bon, vas-y, parlez. On parle plus, on parle plus. C'est du RP, les gars, y'a pas de nepo. Je joue un personnage. Non, mais moi, je t'écoute. Je sais pas, y a quoi. C'est une entourloupe. Déjà, ils t'ont braqué. Grave bizarre. Non, je t'écoute. Non. Dis-moi ce que tu veux. Ce que tu veux faire. Tu veux les amuser. Ce que tu veux, t'as vu, après. Je les amuse pas du tout. Bah, t'as vu, si tu les fais pas s'amuser, t'as vu, on aurait parlé en privé. Mais tu veux parler devant eux. Mais alors, j'ai rien à cacher, moi. Ah, bah, vas-y, fais ce que t'as. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je crois qu'on n'est pas vu parler ensemble. Ah ouais? Ouais. Sous la menace ou sans la menace? Sans la menace. Bah, au calme, bah, y'a rien. Au calme. Qu'est-ce que je te dis? Si on n'est pas fait pour être ensemble, y'a rien, tu connais. Qu'est-ce que je te dis? C'est... Ça me dérange pas, moi, tranquille. Si toi, t'es pas bien, au calme. T'as vu? Ça me dérange pas non plus. Ah, vas-y. Voilà. Au calme, bon. Vas-y. Ouais, moi, explique-lui ça, pourquoi du comment. Explique-lui, s'il te plaît. Le pourquoi du comment. Ouais, explique-moi. Mais vous croyez que je vais péter le sem, les gars? Pourquoi? Parce que... Je préfère JB. Au calme, au calme. Ce que t'as à faire avec lui, quand tu vas voir que ça va détraquer, tu vas comprendre. Non, mais c'est nerveux, je m'en bats les couilles. Tu connais, tu me fais ça devant eux. Tu je sais pas ce que tu joues à quoi, t'as vu. Là, tu passes pour quelqu'un, là, ils t'ont monté le cerveau, comme jamais. On a rien fait, j'ai même pas parlé de JB. Tu passes pour quelqu'un que tu devrais pas être. Je sais que t'es pas comme ça de base, mais là, ils t'ont monté le cerveau. T'as vu, moi, en mode, tu m'aurais dit ça en privé, en seul à seul, la vie. Même toi, tu sais pas qui je suis. Donc non, mais écoute, la vie de ma mère, que au calme, y'a rien. Mais là, c'est juste que tu te donnes en cirque devant eux, et du coup, là, ils sont grave contents, ils doivent rigoler. Là, ils sourient, regarde ces chiens. Ah, t'es quoi, regarde, t'es quoi? Ils sont en train de sourire. Ils débilent les Tchikyu. T'as vu, je préfère, elle me dit ça en privé, la vie de ma mère, les gars, y'a rien. T'as vu? Ah, bien sûr. Et va voir pour nous, mon frère, pour la cause. Mais qu'est-ce que tu racontes? Porte-moi des villes. Ah, j'ai porté. lui, là, il a des. Non, vas-y, t'inquiète, je m'en bats les couilles. Non, vas-y, prends-le. Ouais. Ah, c'est votre histoire. Non, ne t'inquiète pas, moi, je vais quand même écouter dans tous les cas. Mais il veut pas. Ah ouais, c'est pas grave. Braqué, ils m'ont dit tu vas faire ça. Et là, en mode, c'est sérieux? T'as pas, vu en fait, c'est... Non, mais. Regarde, Nara. Les habitants de chez eux, si j'entends encore dire grosse putain. Mais en fait, là, tu passes. T'as vu, je te respecte à la mort. Nara, t'es gentil, je te respecte. Et t'as vu, tu me quittes, t'as vu, rien. Mais la vie de ma mère, là, comment tu passes? Tu passes pour une pute, je te jure. T'as vu, moi, je te dis. Il est pas là. La vie de ma mère. Il doit jouer cette juste, carte-là. T'as vu, si tu veux me quitter, quitte-le, fais-le en privé. Fais-le pas comme ça. Surtout devant l'idéville. Oh, l'idéville, c'est. Hey, son quartier, il a une réputation. T'as vu, là c'est un. C'est magique. Comment il y a deux habitants de chez eux. La vie de ma mère, il y a une réputation de. Il tue les meufs. Et hey, des trucs de bizarre. D'ailleurs, je vais appeler l'habitant. Non, mais attends. T'as vu, je comprends. La vie de ma mère, il est mal. Claire. C'est comment de ton côté? T'as vu, moi, y a rien. Tu vois, si tu t'es pas fait, t'as vu, je respecte ton choix. Dis-moi.
Je sais pas, ça y est, ça me pète les couilles. Mais attends, t'es... Elle fait l'actrice, là, on est d'accord. Tu me dis des choses hier, tu me dis des choses avant-hier, tu me dis des choses aujourd'hui. Et ensuite, tu parles avec eux 20 minutes et tu changes d'avis. Faut que tu me dises. Hein? Attends deux secondes. Je m'en fiche, hein, la vie de ma mère, hein, c'est toi qui décides, tu vois. Je sais très bien comment je suis, en plus là, je suis, vas-y. Fais ce que t'as à faire, ça va rien me faire, t'as vu. Si tu veux faire ce que tu veux avec JB, fais-le, je connais. Juste, faut que tu sois sincère là. Avec toi-même et passe pas pour quelqu'un que t'es pas. Parce que je sais que t'es pas comme ça, tu vois. Je le sais au fond de moi. T'as vu ? Et là, ils vont te faire passer pour ça, en fait. Moi, là, j'aurais préféré. Tu viens de dire Neto, ce que j'ai entendu quand je suis parti du. Non, mais t'as vu, là, on est en train de parler sérieusement. T'as vu, c'est sérieux, là. Tu t'es là, tu regardes ton téléphone. C'est vraiment sérieux. Je suis sérieux, t'as vu ? Je suis dans une. Déjà, TQ, il a fait un truc de baiser. C'est frère, comment il fait ça à la hit break Il veut que je fasse du sale à Kara ou quoi ? C'est comment ? Mais range ton téléphone, regarde pas tes messages, viens on parle, et après tu fais ta vie, tu vois ce que je veux dire? Je vais le chauffer après, je vais l'appeler, je vais dire ouais, nique Kara. Oh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. attends, c'est une blague. Elle s'en bat les couilles. Arrête de rigoler. Mais parle-moi, viens on parle comme des humains, comme des grandes personnes, viens on parle. T'as vu, faut que tu me dises, c'est comment? Je sais plus, j'en ai marre de tout le temps entendre les mêmes histoires. Et comment ça, tu sais plus, tu sais pas? Je sais pas quoi dire. Vraiment, c'était pas une blague, t'étais vraiment prête à arrêter. C'est ça que t'es en train de me dire? Si. Ah ouais? Et c'est quoi les raisons pour que je sache, t'as vu? Des raisons? Ouais, dis-moi. C'est que j'en ai marre de toujours entendre Narasi, Narasa, Nanani, Nanani. C'est quoi le rapport avec? J'ai l'impression d'être un jeu. Mais je t'ai expliqué quoi dans la voiture juste avant là à l'hôpital? Je t'ai expliqué un truc, je t'ai dit ça va toujours être comme ça. C'est des parasites, ils vont rester des parasites à vie. Il n'y a rien. Après, t'as vu, fais ce que t'as à faire. Tu vois, tu fais ce que t'as à faire, tu fais ce que tu décides et ce que t'as envie de faire. T'as vu, t'es grande, juste te fais pas monter le cerveau. Juste, c'est toi-même, tu prends tes décisions, tu vois. Et t'as vu, il faut que tu me dises, faut que tu sois sûr de toi et prête. T'as vu, après, t'as vu les mots que tu me dis. Moi, t'as vu, juste, moi, ce que je vois, c'est que tu m'envoies des messages et tout, on était attentionné, etc. Et là, en 30 minutes, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh là là, le monde est méchant, sa grand-mère. Je fais de l'enfant. Si ça me déplaît, ouais. Je suis l'enfant par rapport à quoi? Dis-moi, que je chasse, t'as vu, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je veux dire, arrête d'ouvrir les portes, nanani, nanana, je suis assez grande pour faire ce que je veux. Moi, t'as vu, je t'ai pas dit arrête d'ouvrir les portes. Je t'ai dit, t'as vu, tu parles à qui tu veux, y'a rien, t'as vu. Juste, si, moi je t'ai fait une supposition, je t'ai dit, si tu dis rien, tu leur mets pas des barrières, etc., ils vont toujours réagir de la même façon. Après, je t'ai dit, si tu veux le faire, tu vois. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Je t'ai pas dit, fais-le pas. Tu vois, je t'ai pas obligé. Tu es qui pour obliger les choses aux gens? Et c'est qui t'envoie des messages? On est en train de parler sérieusement, tu vois. Mais si j'ai envie de répondre, je réponds, tu vois. Tu vois, ça m'énerve. Je m'en vais. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on parle sérieusement, tu vois. Et toi, j'ai l'impression que tu regardes tes messages. C'est juste ça, t'as vu là, c'est vraiment. Faut que tu te réveilles, c'est vraiment. Je veux qu'on arrête. C'est ça que tu es en train de me. C'est ça que. C'est pour ça, c'est bien sérieux. Bien sûr, t'as raison. Tu vois? Ouais. Et j'ai raison de quoi? Je capte pas. T'as raison, juste... on va arrêter, ouais. Moi, je te conseille, t'as vu, on fait ce que tu veux. T'as vu? Mais je te conseille de pas faire ça devant eux. Et pas maintenant, tu vois? Moi, c'est pour toi que je dis ça. Arrête, tu fais ce que tu veux. T'es grande. Si. Moi, je vais pas pleurer, je suis fort, t'inquiète. Je sais très bien ce que je veux et c'est pas comme ça que je vais être descendu, hein, t'inquiète pas pour moi. Tranquille.
C'est juste que... Dis-moi. Je pense qu'on va arrêter... Vas-y, vas-y, finis, finis ta phrase, ça y est. Je pense qu'on va arrêter ici. Vas-y, passe-moi mes clés au calme. Vas-y, au calme, y'a rien. Moi, je m'en bats les couilles. La vie de ma mère, je m'en fiche. Je... T'inquiète. Juste, réfléchis à ce que tu fais, t'as vu. Nara, vas-y, ramène ton petit cul. Regarde, regarde comment il te parle, t'as vu. Vas-y, force. Tranquille, moi, t'inquiète. C'est... Y'a rien, hein. T'as vu que regarde comment ils te parlent et regarde comment ils vont te parler. Non, vas-y, force. Vas-y, grimpe. Oh là là. Lâche-moi. Excuse-moi. je l'ai baisé. Oh là là. Ah ouais. Et Nara, pourquoi tu l'as pas giflé? Nara, franchement, moi je te connais depuis des années. Et arrêtez. Par contre, tes habitants, je vais indiquer leur mère. Hein. Je te le dis, Deville. Comment ça? Les grandes putes là. Elle est grave énervée. Non, moi on me dit pute. Je sais ce que okay, j'ai entendu. Oui, mais là, on va, tu vas venir et on va s'expliquer. Bah, je vais baiser sa mère, elle va comprendre qui je suis. On va s'expliquer tranquille, mais pas la violence. Non, la violence. Moi j'aime bien la violence. Nara, mais pourquoi t'es cruel comme ça avec lui, mais Viens, la vie de ma mère. C'est bon, c'est, je lui ai dit, c'est terminé, ça y est. Mais Nara, moi je te connais depuis des années. Il te faut un sauvage. Regarde comme il est mou. Toi. Pour le coup, t'as raison. Oh là là, mais la vie de ma mère, t'es là. Oh la sorcière. Mais oh. Alors, je suis comme ça, c'est, y a quoi? C'est quoi c'est votre grave, problème? C'est grave, franchement, ça me dégoûte. Putain. En fait. Je pensais pas comme ça, moi. C'est comme ça que je l'aime. Et après, tu t'étonnes. Une vraie gangster, en fait, c'est une gangster, c'est tout. Là, c'est une vraie gangster. Ta mère. Vas-y, descends, il va te niquer ta mère. Nous par contre, je vais toucher. Attends. Pas ma femme. Attends, frappe pas, attends. Hey. Tu as baisé qui? Tu as baisé qui? Attends, venez. Tu as baisé qui? Tu parles à moi là? Tu parles à qui? Allez, Alexis. Ouais, c'est moi, je t'ai insulté, tu vas faire quoi? Oh, le con. Ouais, c'est moi, je t'ai insulté. Tu me connais pas, tu m'insultes. Bah ouais, tu vas faire des photos banales comme si tu t'en battais les couilles. Bah ouais, t'es une pute. Quoi? Bah braquer ça j'en sais rien Marus. Nara nique lui sa mère. Mais parle bien, tu vas faire quoi? Bah non je ferme pas ma gueule, tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Oui tu vas faire quoi? On verra bientôt. Oui d'accord je verrai. T'inquiète je t'attends de pied ferme. Je suis devant toi là. Vas-y. Putain. S'énerve comme ça. Ouais, t'as reconnu l'équipe. Bah après je te le dis en face que t'es une pute quoi. Et tu changeras pas. Tu fais la connasse avec ton mec, tu es là pour quitter, tu vas faire des photos avec des autres, faut dire ouais je te quitte. En faisant des photos avec des autres, elle va lui dire en face. Ouais, tu vois que c'est vraiment ça. Non, c'est vraiment trop violent les gars. T'as dit quoi? Tu fermes ta gueule. T'as compris? Je ferme pas ma gueule. Bah non, je ferme pas ma gueule, tu vas faire quoi? Oh là là, Non, mais moi je pense que on peut. Faites la paix. Parce que là, tu l'accuses de quoi, la Cara, en fait, au juste? Bah, moi je m'en bats les couilles. Juste, moi je vois que ce que je vois. Moi j'ai vu des choses. Juste tirer mon avis sur ce que j'ai vu, c'est tout. T'as mais vu quoi? T'as rien vu? Parle plus fort, Nara, mais explique-lui. Tu fais. Elle a des arguments. Et tu fais des photos, écoute, à ma place, tu fais des photos avec mon mec, donc tu te sers de mon mec pour quitter ton mec. Bah moi perso, tu vois, à ta place, je pense que tu l'aurais mal pris que je fais des photos avec mon mec. Les gars, c'est moi son mec. À ma place, tu vois, c'est pas moi qui lui ai dit de venir. Merci mon frère. Bah moi j'en sais rien ça. Moi comme je t'ai dit. Bah alors quand tu sais pas, tu fermes ta bouche, c'est tout. Je fermerai pas ma bouche. Arrête de m'appeler ma grande, ma petite. Et si je fais ça, tu fermes pas ta bouche? Arrêtez. Non. Oh là là. Ouais, Nara, t'as gagné. Termine-la, ça y est. T'es tellement une petite salope que tu sors le couteau, espèce de petite. Ramène-la. Fais-lui un bandage, Tiku. Fais ton rôle d'homme. Viens. Appuie sur la plaie. Nara, t'es blessé, t'as besoin de quelque chose? T'as raison, sale chienne.
Du coup, Nara, tu pourrais me rendre mon couteau, s'il te plaît. Tiens, je te rends ton couteau. Ah, en plus, je l'ai planté ton couteau. Plaisir. Je peux même pas que ça le nettoyait, s'il te plaît. Bien joué, Nara, bien joué. T'as donné le couteau, c'est toi qui as donné le couteau. C'est pas une petite merde qui va me casser les couilles, d'accord? Pas du tout, on me l'a pris. C'est qui elle? C'est qui elle? C'est qui? Ah, et au fait, Nara, juste. Viens pas m'insulter sans savoir, j'ai... Non, il a entendu un truc... Je comprends qu'il soit énervé, ouais, je comprends. Mais tu penses quoi de Nara, toi? Tu penses quoi de Nara? Moi, je m'en bats les couilles, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Oui, mais tu penses que Kara a raison ou pas? Non, mais je lui ai donné tort, même quand on en parlait ensemble, mais... Ah, mais c'est fini pour elle, je vous le dis. C'est leur histoire, ça me regarde pas. On va faire sa meuf. Du coup, elle est partie par où, s'il vous plaît? Nara, t'es une femme. Nara, si je te donne un pétard, tu tires dessus? Faut pas me le dire deux fois. Nara, elle a trop peur. Ouais. Si je dis pas, elle fera pas. Elle a trop peur. Nara, c'est trop. Ouais, mais fais pas. Un couteau, ça y est. Parce qu'elle a pas tort. Elle a quitté le mec, mais d'une cruauté. J'en ai rien à foutre. Vous comprenez quoi, là? Oui, mais pourquoi tu t'as pas dit la vraie raison? Elle est honnête, il s'est passé quoi? Elle a quitté Marvin. Elle a planté. Je vois rien quand je sors d'ici. On m'a dit à la galoche des Ibi aussi. Non, c'est pas vrai ça, ça a arrêté. Vas-y, vas-y, donne. Quoi, les gars, je lui donne la gueule. Vas-y, donne-lui porte tes couilles. Ah, je peux lui donner la gueule ou pas? Non, donnez rien, les gars. Non, mais Nara, faut pas s'embrouiller parce que là, surtout que là, tu t'en envisages. Non, mais tranquille, quand tu me connais pas, tu parles pas comme ça. Voilà, surtout, mais là, t'envisages une vie avec JB, là, du coup, ben, faut que je t'embrouille avec les gens d'ici. Sinon, ça va pas, tu vois. Est-ce que c'est moi qui ai insulté? Non? Et là, il se fait enculer, l'autre pute, la vie de ma mère. Mais JB, je t'explique, je te mets dans le bain, je le dis devant tout le monde. J'ai dit à Nara, pourquoi tu quittes Marvin? Tu sais, m'a dit quoi? Parce que je parle à JB. Attends, il y a Harvey. J'ai attaqué, il y a Harvey. Il y a Big Harvey. Harvey, c'est. Oh, c'est une dinguerie. Mais non. Putain, je vais m'écarter, moi, c'est jamais ça part. C'est l'appel du sang, ça. Eh, t'as entendu JB? Range ton téléphone, t'as vu, je suis pas Marvin, moi. Tu commences. Non, c'est. Je réponds à Marvin. JB. Ça va l'écoute, Marvin. Il y aura pas en personne là. C'est H-Block ici, hein, ça rigole pas. Hein. C'est le Bronx. JB, là, c'est ton moment. Quoi. Non, les gars. C'est pour ton moment, JB, elle a quitté un mec, c'est ton moment. Pourquoi t'as fait ça? C'est parce qu'il reste, parce que. Pourquoi elle est énervée? Pourquoi elle serre les bons là? Attends. Arrête, vas-y, baisse ton arme, on va parler comme des grands. Non, Mais non, vous avez pas de balle, les bleus. Ah, même elle avait pas? Non, elle avait pas de balle, les deux. Bah, regarde si j'en avais, espèce d'enfoiré où il rigolait. Ah, ouais, t'avais des balles, il est vrai. Non, mais les filles. Non, c'est
fallait ouais. Bouquer ici. C'est voilà, c'est la rue, hein. C'est la rue. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Ça, j'aime trop quand c'est des femmes comme ça, là. J'aime trop les sauvages, moi. Ah, c'est et du coup, ça aurait pas été mieux de... Viens voir, Kira, viens. Vas-y, Kira, viens, oh viens. Va. Vas-y, viens. Viens. Vas-y. Oh laissez-les, laissez-les, laissez-les. Laisse-nous discuter, s'il vous plaît. Attends, viens voir. Quoi? Les gars, tout ça pour moi. Non, okay. Je suis dans un film de cul. J'ai réveillé la tête, là. J'ai repris. Ah, t'as repris? Bah, putain, je l'ai calibré à la déballe, là. Attends, mais donne. Mais non, mais cousin, équitable, elle a des balles, l'autre elle a des balles. Mais elle a pas de balles, c'est pas vrai, elle a pas de balles. Elle a donné des balles. J'ai donné, la même mère, j'ai donné. Mais Nara, elle a pas, la ma mère, elle a pas Nara. On va se faire pétarder gratuitement. Là, va se faire pétarder. Attendez, qui a des balles? Mais mettons, on voit, je lui donne. Non, j'ai rien, moi j'ai déposé pour une fois. Les balles, je lui donne pas, les gars. Elle est pas baisée ma soirée, les gars. Elle va pas tirer. Ce soir, je suis baisé, les gars. Mais laisse-les, je tire. Eh, mais tu sais, JB, elle m'a dit. Attends. Non, mais non, viens, Neto, viens. Putain. Eh là, tiens, en gros, je t'explique. Je lui dis quitte-la, quitte-le ou c'est mort. Mais la vie de ma mère, elle a abusé sa grand-mère. T'as vu, elle a abusé. Mais elle a quitté comment? Elle l'a quitté d'une manière. Elle a quitté d'une manière brutale, de fils de pute. Elle a dit, toi et moi, c'est fini. C'est ça que j'aime bien avec elle. J'ai pas. Femme fatale, putain de merde. Je vous jure, depuis que je connais Nara, ça fait 2 ans, j'ai jamais vu tirer. Je sais même pas ce qu'il y a, c'est tirer. Pourquoi elle a pété un plomb? Je crois dans mon quartier, toi. C'est qui t'a invité? Qui t'a invité? Qui t'a invité, toi? Attends, moi, je l'ai invité. Bienvenue, bébé. Toi. C'est moi, je l'ai invité, fils de pute. C'est moi. Toi, tu m'invites, toi. Oh là, t'es ma mère le vélo, par contre, il est trop gang. Ouais, c'est mon vélo. Ouais, trop gang. Non, j'ai rien sur moi, frérot. Oh, les vêtements. Mais si, je lis, mais à un moment, ça m'a mis. On t'a pris ton arme. J'avais toujours mon arme. Et comment t'as bu des vêtements, bâtard? C'est TQ. Non, parce que tu l'as pété un plomb, t'as fumé. T'as quoi, toi? Bien fait pour toi. Oh, arrête d'abuser, je vais te baiser. Et JB, t'es conscience qu'elle fait ça pour toi, Nara? Oui, j'ai conscience. Ah, il faut vraiment les baiser. JB, t'as trop de chance. Tiens, les gars, je suis un beau gosse. Ah, pas d'F2, les gars, là, on est en mode RP, vas-y, je crois. JB, c'est quand qu'une fois, genre un jour, les filles elles feront ça pour moi? Oh, jamais. En fait, elle se bat pas pour JB là, c'est juste qu'elle s'embrouille. L'autre elle se bat pour TQ parce qu'elle a pris une photo avec TQ. C'est Suke qui a dit ouais la pute et tout, je pensais que c'était toi. Mais moi j'ai rien dit moi, je m'en bats les couilles. Ah ouais? Ouais, elle est comme ça, Devil. Une meuf en mode de. Bah non, mais chacun fait ce qu'il veut, genre, tu vois. Non mais là je pense que ça doit dire oui mais toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, t'as fait ci, oh, ça. C'est pour ça. C'est toi, rien, non c'est toi. C'est pour ça que je vais dire Nara tire. Non, voilà, c'était trop drôle. Non mais. Dis Nara le tire. En premier faut qu'elle tue Kira. Réponds même plus Nara. Et là. À chaque fois que je viens dans ce quartier ça tire, c'est très grave. C'est un film. C'est bon. Ça va Nara, ça s'est bien passé. Merci. Si. C'est bien passé. Si bien sûr. Bon, tout est bon, tout est réglé. Ouais. Ah, c'est bon. Oui, on a discuté comme des personnes adultes. Mais c'est quoi cette merde là? Pourquoi vous êtes pas tiré dessus? Mais c'est Nara qui les a. C'est Nara qui les a. J'en ai donné plein. Ah, tu m'en as donné qu'une. Et les balles de Nara, c'est les tiennes. Du coup, c'est quoi les news? Y a quoi? C'est bon, ça on s'est a calmé. On a discuté. Wesh. Pourquoi tu parles toi? Pourquoi tu parles? Toi, je vais te niquer ta mère, toi. Vas-y, tire si t'as des couilles. Pourquoi tu parles? Tu proposes des 1v1, petite merde, va. Du coup, maintenant. Hein, tu proposes des 1v1, sale merde. Ouais. Nara, retourne-toi. Trop de balles, va. Tu me prends mes armes, toi? Arrête d'abuser. Vas-y, hein, tu. Tu proposes des 1v1. Vas-y, viens, bouge pas, on va régler ça à la loyale. Bouge pas. Mais toi, toujours, tu comptes mourir. Ce soir, c'est nous. Nous. Ce soir, c'est nous. Nous. Ce soir, c'est nous. 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 Il casse les couilles. La bête, t'as tu casses les couilles, JB. Ah. Tu faisais quoi là, JB? J'ai pas suivi. JB, t'as les clés de là-bas, hein. Tu peux y aller. J'ai les clés, j'ai même les clés de son cœur, j'ai les clés de tous les gars, putain de merde. Du coup, là, vous êtes mis ensemble en mode Anara et JB. Depuis tout petit, avec Moran, on a fait le tour. La rue, elle m'a
Ah mais Nara c'est une 13 ou c'est pas une 13 hein, je sais même pas. C'est une habitante. Une copine à David. C'est une meuf, elle est ouverte. Y'a des vrais G, y'a des vaillants, ça parle en tonne. Y'a pas de bouca, ouais c'est j'bloque, c'est pas Trenton. J'ai perdu des proches, j'en perdrai encore, mais fais de la rue mon pote.